Allez, on y va. Bon. Est-ce que je suis bien en direct? Ouais, c'est bon. Bon. Bon, ben, j'espère que c'est bon. Bonsoir et... enfin, bref. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est de nouveau officiel. On se retrouve pour le jeu officiel que j'ai pris des mois à créer. Hein. Voilà. On se retrouve sur The Grim Reaper. Voilà. Bon, j'espère que tout est bon. Tout est correct, j'ai l'impression. Ça diffuse bien. La connexion bug pas, c'est bien, c'est parfait. Mais c'est nickel tout ça. Bon. Est-ce que je suis bien en direct comme prévu? Alors, yep. Ah ouais, je suis bien en direct. Ouais, je suis bien en direct, y a pas de souci. Ok, let's go, on y va. Bon. Bam, bam, bam. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, voilà. Bon. Alors, c'est bon, là je vais vous faire le en gros, voilà le jeu qui m'a pris des mois. Des mois à être fait, environ. Je crois que j'ai mis un peu trop fort la musique, je crois. Non, c'est mon côté, c'est trop fort, lol. Ok. Alors, je disais. C'est le jeu qui m'a pris depuis mois de mai, je crois. Ou juin, non. Non, mai, juin. Oh, je sais plus, putain. Lol. Bon, bah c'est parti. Hein, bon, bah je m'attendais à du bon, bah, c'est pas le cas, bon, on est en minute 44. Je comprends. Putain, mais en tout cas, j'ai pas de bug, je suis content, j'ai pas de bug de coup, c'est cool. C'est génial. C'est bon. Alors là, qu'est-ce que vous écoutez? C'est la musique que j'ai mis, hein, la musique cultissime en intro, que j'aimais bien. Bon, bah. Bon, c'est parti. On va commencer. Alors, vous avez le. Pour le jouer sur votre chaîne, ça veut dire pour le jouer sur votre chaîne, vous avez le lien téléchargement du jeu, hein, qui est dans la description, hein, vous l'avez. Voilà, je l'ai mis, je l'ai uploadé. Hein, le fichier fait 406 MO en ISARC. Et bah, vous pouvez le télécharger, et puis le désextraire, c'est-à-dire l'extraire sur votre ordinateur, voilà, lol. Et puis vous pouvez jouer, voilà, si vous avez un PC assez balèze, voilà. Bon, quoique, ils n'ont pas beaucoup de puissance, hein, lol. Bon, bon. Bon, bah c'est bien. On y va. Let's go. Merde. Ah oui, c'est ça. Bon. Attention, je ne comporte aucune sauvegarde automatique. Si vous voulez éviter de recommencer tout le jeu, faites une sauvegarde manuelle. Bref. Bon jeu. Alors, je sais pas si vous avez si vous avez reçu le truc, je sais même point. J'ai l'impression que vous n'avez pas reçu, j'ai l'impression. Lol. J'ai l'impression que la notif de YouTube, elle est pas partie. Moi, il m'a considéré comme mort. YouTube m'a considéré mort. Voilà. Alors, moi, c'est clair, c'est fait. YouTube a dit. Il est mort, il est plus disponible, il fait presque plus rien. Je l'enlève. Voilà, je le tue. Voilà. Comme ça, c'est fait. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. C'est toujours bien en direct. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, non, je suis bien en direct. Je suis bien en direct. Je pensais sur le coup, j'étais pas en direct du tout. Non, non. Non, non, je suis bien en direct. Public. En plus, c'est public, c'est bon, c'est bon. Bon. Alors, c'est parti.
On y va. Puis comme je vous ai dit, si vous voulez jouer de votre côté, bah, vous pouvez télécharger, il sera en lien de description. Voilà. Voilà, puis voilà. Enfin, vous avez toutes les informations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Ah ouais, j'avais pas expliqué ça. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Alors ouais, je vais expliquer. Ça m'a pris beaucoup. La raison principale de la longueur que ça m'a pris de temps, c'est les corrections de merde. Voilà. Ça m'a complètement dégoûté. Les corrections, c'est le truc qui m'a pris, mais tout jeu complet, quoi. Bah, jusqu'à aujourd'hui, là, le 31, bah, voilà, jusqu'à là, quoi. J'étais obligé de corriger plus de je sais pas combien de textes. Je vous jure, hein, le truc, c'est un roman complet. Déjà, juste ça, bon, ça, c'est un petit texte, c'est rien du tout, loul. Mais bon. Et putain, mais je suis bien. Attendez, je regarde quand même parce que j'ai des doutes là. Je suis vraiment en stream ou... Ah oui, je suis en stream. Oui, y a pas de problème, je suis bien en stream. Je suis bien en live. Hein. Ah, Barjo! Ah ben je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe? C'était pas parti, c'est de nous, comment ça va? Bonsoir Barjo, comment tu vas? Ouais, ça va tranquille, toi, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va bien? Ça va bien, juste un peu stressé, un peu truc normal. Oui, tu enlèves. Ok, d'accord, merci Barjo, parce que sur le coup, je croyais que j'étais plus en live, genre, tu sais, ça allait pas partir. Bon, je te cache pas, je suis un peu... Enfin, stressé du fait, tu sais, de reprendre les lives, et puis là, sortir le jeu et tout, alors... Faut du temps pour... Voilà, quoi. Ouais, ça va tranquille, juste un peu stressé, tu sais, un peu truc, c'est normal. Vu, tu sais, quand tu sors le jeu, tout, tu vois, t'es... Tu dis enfin, d'un côté je me dis enfin, et de l'autre je me dis voilà quoi, ça, voilà, enfin je crois que t'as compris je pense. Hein. Enfin voilà. Puis t'as vu, il y a le lien de téléchargement du jeu. Tu pourras télécharger tout ça quoi. Tu pourras le faire sur ta chaîne Barjo, tu vois, carrément. Ça va être cool. Voilà. Comme ça, voilà, quoi. Comme ça, chacun pourra le faire de son côté, tout ça. Voilà. Voilà. En clair, quoi. J'espère que ça bug pas, j'espère que ça tourne bien, qu'on m'entend bien. Ouais, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon, ça bug pas. Ça bug pas. C'est bon. Ouais, du coup, faut peut-être que je relance le jeu parce qu'il y a l'introduction de la musique. Assez cool, je vais voir ça. Bah, il prend 406 émaux en Isarc, en Zdip. Et après, il faudra que tu l'estrées sur l'ordinateur. Il prendra 416 émaux, un truc du genre. Parce qu'il est quand même. Enfin, il n'est pas trop lourd, mais bon, quand même, c'est quand même un fichier de jeu, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Alors, de toute façon, dans le titre, t'as vu le titre, c'est quoi? C'est The Grim Reaper. Hein, The Grim Reaper, bon, c'est, voilà, ça veut dire en français, de toute façon, c'est dans le jeu, c'est annoncé. En français, veut dire la grande faucheuse. Voilà. C'est tout clair, c'est dit, c'est la grande faucheuse. Et le pire, c'est que ça va super bien. Parce que je le fais, je le sors. Bah, juste tu vois, le truc d'Halloween, ça va super bien avec. Et vu que le jeu c'est justement sur ça, bah voilà, ça va très bien, ça va bien. Voilà. Voilà. Ah oui, un titre anglais et tout. Voilà. Voilà. Parce que je me dis que je préfère faire un titre fumier. Michel Blaise, ouais. Merci, bonjour. Fumier. Bon, bonsoir Eva, comment tu vas? Enfin voilà. Bon, quand tu peux, quand tu, je sais pas parce que vu qu'il y a un décalage de 5 secondes de merde, parce que je me suis battu avec YouTube de chiottes, hein, parce que YouTube fallait que je retrouve comment streamer, comment blabla machin, tu vois tout bordé de mes couilles, de ma race, de mes espaces de voilà, machin de bidule chouette. Me battre avec ça, de merde, pour streamer, pour lancer, pour le code de chiottes. Oh putain, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a gavé. Juste ça m'a gavé, lol. Mais bon, c'est pas grave. C'est rien, c'est qu'un petit détail de chiottes. Voilà. C'est rien du tout. Je peux lancer quand même. Ça va, j'ai réussi quand même. Enfin, bref. Allez. Je vais quand même commencer quand même, parce que sinon, bah, de toute façon, je l'avais prévenu. Je vous avais prévenu. Ça sera un blabla long. Hein, dès le départ. Voilà. C'est un gros blabla. Hein. Bon, j'espère que ça bug pas, c'est bon. Putain, c'est. Putain, ça bug pas, franchement, c'est cool. Ça tombe bien, c'est cool. Bon, allez. On y va, let's go.
Allons-y. Bon alors, comme voilà, comme au début de l'introduction, ça fait attention, le jeu ne comporte aucune sauvegarde automatique, parce que ça va être le cas. Si vous voulez éviter de recommencer tout le jeu, faites une sauvegarde manuelle, bref, bon jeu. Ça veut tout dire, hein. C'est clair. Si vous sauvegardez pas dans un boss ou dans quoi que ce soit, vous recommencez tout le jeu entier. Comme ça, c'est fait. Voilà, j'ai pas fait de truc automatique. Voilà. Comme ça devient plus emmerdant, puis ça reste sur l'époque ancienne, l'époque où t'étais obligé de sauvegarder, je sais pas quoi, là. Hein, sinon, voilà, quoi. C'était trop simple. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas très... vous êtes toujours là, c'est bon? Je crois que ça va être bon, je pense. Ouais. Non, ça veut pas, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, bah, nickel, c'est bon. Pas de souci. J'espère que le chat, il a pas bugué non plus. Parce que, hein, c'est casse-couille, hein, toujours des trucs qui bug ou quoi que ce soit. Non, je pense pas. Bon, allez. On y va. Bien. Donofay présente. Ah oui, j'ai même fait une introduction à la mode. À la mode. Vous savez, un peu la mode. Comment dire, merde. Un peu comme comme certains jeux, voilà, où ça commence par studio présente. Voilà, ça va bien. Le chat a bugué ou quoi? Ou. Lol, bien là trop. voilà. Ah non, non, j'ai cru que ça avait bugué le truc, lol. Oui, voilà, Donofay présente, tu sais, comme Hideo Kojima présente, tu vois, le truc là, tu vois. Voilà, je suis basé, tu vois. Voilà. Oh, quoique, non, Hideo Kojima, il n'y a pas Hideo Kojima présente. Ça me tue tellement. Non, ça a pas bugué. Ok, d'accord, bonjour. Non, mais il y a un truc qui m'a toujours fait rire dans les jeux d'Hideo Kojima, c'est le côté Hideo Kojima. Je kiffe tellement ce truc-là, putain, ça me tue. Hideo Kojima. Ça, par contre, ça me tue ce truc-là, vraiment. Ah, putain, bon, bref, allez. Merde. Ah, voilà. Salut. Connaissez-vous l'enfer? Bon, j'imagine que oui, mais enfin. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Justine Rose. Et vous allez vivre mon histoire qui est la plus incroyable. Tout cela commence au cimetière. De mon visage, voilà. Je sais pas si vous entendez bien le jeu, ma voix, etc. Je sais même pas. Je sais même pas du tout si vous entendez bien tout. Je sais pas. Parce que moi, je sais pas de mon côté. Je vais peut-être monter un tout petit peu. Ça peut être... Non, c'est bon. Voilà, The Grim Reaper, voilà. Let's go. Voilà. Ça, c'est Justine, c'est que vous voyez. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Bon, je sais que tu ne peux pas me parler, mais t'as vu, je t'ai ramené des fleurs, rien que pour toi, bien évidemment. C'est seulement tu étais toujours en vie. Mais bon, malheureusement, c'est le destin qui a décidé autrement pour toi. Maintenant, je vis sans toi et sans papa. Je suis seul dans ce monde infernal. Et je demande ce que je vais faire de ma vie. Est-ce que je continue ou je sombre dans l'alcool? Dit comme ça, ce n'est pas une solution. Enfin bref. Je vais te laisser, maman. Je retourne dans notre maison avec notre chien d'amour. C'est le seul finalement qui me reste dans un ami dans ce monde. Mais bon, c'est un animal et non un humain. Si seulement il pouvait parler, ça serait tellement cool. Enfin, bref. J'y vais, au revoir, maman. Voilà, ça fait une introduction. Voilà. C'est très sombre, hein. Je vous le dis, c'est vraiment. Voilà. Hein. Let's go. Non, ça c'est le truc de merde. Oh putain, faut que je refais les touches. Oh. Bon. Non, ça c'est le. Mais lol, mais non, mais. Oh, c'est bon. Mais non, mais putain, je rouvre le menu à chaque fois. Mais. Oh, c'est pas vrai. C'était quoi le jeu pour moi? What? Ah non, c'est ça, c'est me dire, voilà. Voilà. Vous êtes toujours là? Ou c'est encore buggé? Moi, je vous vois plus écrire. J'espère que ça n'a pas encore buggé ou quoi que ce soit. Putain, mais. Ah putain, ça va devenir parano avec les bugs, sérieux. Ah non. Oh, c'est ouf. Oui, ok, d'accord. C'est quoi ce personnage de nous? C'est Justine. Justine. C'est elle, voilà. Justine Rose. Voilà.
Non, ça bug. Ok, d'accord. Non, parce que je croyais ça bugait, je sais pas, vous parlez pas. Du coup, je me disais merde, ça bug, il se passe. Je me disais merde, c'est pour ça, c'est chiant. Voilà, Justine Rose, en clair, voilà, soldat, PV, etc. 212, MP, voilà. Alors, on va voir son statut, comme ça, merde, pas là. Mais putain, mais c'est pas vrai. Là, voilà. Alors. Voilà, tu as cet esprit dans la description. Juste, c'est une femme assez timide dans son genre. Par contre, il ne faut pas la chercher, sinon Kawik. Oui, voilà. Non, non, on est juste que deux. Ah, d'accord, ah, ok. Ah, ok, d'accord. Ouais, une femme assez timide dans son genre. Par contre, il ne faut pas la chercher, sinon Kawik. Voilà. Sinon, elle pique. Voilà, c'était pour donner un truc plus juste, tu vois. Voilà. Let's go. Pourquoi j'ai pas le... Ouais, c'est bon. Il ne reste plus que toi, désormais. Hein? C'était quoi, ça? Tu seras la prochaine, ma petite. Y a quelqu'un? Bientôt, tu les rejoindras dans la tombe. Mais qui êtes-vous, à la fin? Je suis ta mère. Comment ça, c'est mal? Ma mère? Bref, je n'ai pas que ça à faire. Mais c'était quoi ça? Bref, je retourne à la maison. Valorien, voilà. Mais putain, ma cheveux, mais c'est pourvu. Maison des Roses, voilà, ça correspond au nom, prénom, voilà. Maison des Roses. En clair, c'est une petite ville tranquille avec une petite OST qui est calme et tout. Voilà. Oh Robert, comment tu vas? Bouf, voilà, bouf, bouf, voilà. Ah oui, c'est vrai, tu ne parles pas. Recoupe ton jeu. Ouais, merci Barbu. Bah après, c'est que le début, mais après, tu verras pas la suite. C'est vraiment truc, tu verras. Au contraire, je sais parler, voyons. Il y a la musique, là. Mais Robert, tu parles? Bah oui, comme tu peux le voir actuellement. Mais c'est génial, depuis quand tu parles? Oh, tu sais, depuis ma naissance, mais bon. On m'a dit de ne surtout pas parler, sinon les humains vont t'envoyer à l'SPA. Je comprends. Bon, j'ai juste une chose à te dire. Va dans la chambre de tes parents, je crois qu'ils t'ont laissé quelque chose sur la table. Une sorte de lettre à lire. Ah bon? Mais comment tu le sais? Devine. Ah oui, c'est vrai, tu es un chien. Bref, vas-y Justine, je vais avec toi. Ok, allons-y. Et je pense que vous avez compris que le chien, ça va être en partie de l'aventure. Voilà, ça c'est clair. Voilà, de toute façon, ça dit directement au départ. Voilà. Oh, mais il fait sombre ici. Oui, mais tu vois, il y a deux rideaux. Ils sont fermés, on va les ouvrir. Mais dis Robert. Alors là, j'ai fait un système, vous allez voir. Il n'y a pas d'interaction avec l'enveloppe, c'est-à-dire que là, je suis obligatoirement obligé de faire ça, hop, tac, et hop, voilà. Oh, mais c'est une lettre, t'avais raison, Robert. Tu sais que Justine, c'est mon prénom français féminin préféré. Ah ouais? Oh, je sais même pas. T'avais raison, bien. En plus, Eva, si je me souviens, je crois que ça vient de l'idée de toi. C'était toi, je crois, qui m'avait dit de l'idée de Justine, je crois. C'est pour ça, je crois, que tu voulais que que le perso voulait s'appeler comme ça, je crois. Et je trouve qu'il va bien. Je trouve, il va très bien. Bah oui, lol. Il est là pour voir ce qu'il a décrit. Ok. Chère Justine, si tu lis cette lettre, c'est qu'il reste plus que toi. Et moi et papa, nous sommes partis au sud vers Dieu. Mais si j'écris ceci, c'est pour une bonne raison. Tu te souviens du sous-sol? Je pense que oui. Bah cette fois, vas-y, tu trouveras de quoi t'équiper pour partir à l'aventure. Tu dois te demander pourquoi? Bah, c'est pour que tu ailles vaincre cette chose qui nous a tués. Par contre, on ne sait pas où elle se trouve. Mais une personne sait. Après avoir fait plusieurs recherches, nous avons trouvé la personne. Et cette personne s'appelle Barjo. Ah! Barjo fait partie. Voilà, tu fais partie d'aventure. Enfin, en quelque sorte, dans le truc principal. Et il se trouve dans une ville appelée Azalur. Voilà, maintenant, tu sais, ma Justine, l'amour. Va et bon voyage. Ah, et embarque Robert.
Je pense qu'il te sera utile. Enfin, je ne sais pas, vu que c'est un chien. Bref, au revoir, Justine. On t'aime de tout notre cœur. Ah, c'est moi. Ouais, c'est toi. Mais tu verras ton personnage. Tu le verras, de toute façon, c'est dans là-bas. C'est là-bas. PS. Dans ce sol, on a mis une sorte de porte avec des pics. Enfin, tu verras. Tu auras juste à activer le levier à droite. Voilà. Oh, mon papa. Alors, c'est une chose qui aurait tué mes parents? Oui, c'est bien ça, Justine. Bon. Ça va, Justine? Oui, ça peut aller. Bon, bah, tu sais où on doit aller? À Zalura, voir ce célèbre barjot. Oui, allons-y, mais avant, on va aller dans le sous-sol pour prendre l'équipement. Ok. Sous-sol. Vous avez trouvé des potions, une petite hache et vêtements. Intéressant. Tu crois vraiment que j'ai peur de ça, Justine? Et bordel, tu es qui? Personne ne peut me voir. Je suis dans l'ombre comme Batman. Oui, bon, c'est un truc que j'ai rajouté, hein, parce que voilà. Coucou tout le monde, bonsoir Ethan, comment tu vas? Et non, dans les... bah là, c'est mon jeu, tu vois, actuellement, voilà. C'est mon jeu que j'ai créé qui m'a pris plusieurs mois, voilà. La Rogue Tower. Et non, dans la lumière, bientôt ça sera ton tour. Mais c'est quoi cette chose qui parle? Je ne sais pas, Robert. Depuis le cimetière, j'ai entendu cette voix aussi. Cherchez-moi si vous voulez. Bref, je dois aller me faire des crêpes. Voilà. Il y a un peu une référence à le truc des crêpes. Voilà. Mais bordel, on va bien finir par savoir qui c'est, à moins que. À moins que quoi, Justine? C'est lui qui a tué mes parents? Vu qu'il dit la prochaine, le prochain, ça sera moi. C'est possible, Justine. Ouvre la roue, ça va niquer, toi. Bref, allons-y, on a du chemin à faire, mon père. J'avoue. Bah. Merde, je suis bloqué dans un arbre, lol. Alors, la maison de bûcheron, j'ai fait ça. Eh, hey, salut bûcheron! Il n'a pas de nom, hein, c'est direct bûcheron. Oh Justine, comment tu vas? Bah, ça peut aller. Ah, je te comprends, Justine, et toutes mes condoléances pour tes parents. Merci, bon, je vais y aller. Je te laisse et bon courage. Merci, ma Justine. Resto. Bonjour la cuisinière. Il est pas là, Marjo du plaid. Si, si, il est là, Ethan, il est là. Oh, c'est Justine, ça va? Oui, ça va. Oui, toutes mes condoléances pour ta mère. Merci, bon, je dois te laisser, bye. Ok, au revoir, Justine. Église de Valoria, je suis là. Ah, il est là, regarde. Bonjour, mon père. Ethan. Oh, bonjour, Justine. Et encore toutes mes condoléances pour ta mère. Merci, mon père. Sinon, comment ça va, Justine? Bah, ça va, et je dois y aller, mon père, désolé. Passe-y, Justine, et surtout, prends soin de toi. Merci à vous aussi. Merci, Justine. Oui, je sais, la musique d'église, ça fait truc. Ah ouais, du coup, demain, je dois me faire tester encore une fois, car c'est le padré. C'est pas du tout sûr pour la fumée. Niveau 4. Du coup, demain, je dois me faire tester encore une fois, car c'est pas du tout sûr pour la fumée. Pour la tumeur, niveau 4. Oh putain. Oh putain, bah, courage, Ethan, hein, courage. Putain, ça craint, ça, sérieux. Merde, lol. Et faut comment aller? On prie tous Dieu, ouais. Stéphanie! Oh, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle! Salut Stéphanie. Oh, salut, salut Justine, ça va? Oui, ça peut aller.
Oh, et toutes mes condoléances pour ta mère. Merci Stéphanie. De rien, c'est normal. Bon, je dois te laisser Stéphanie. Bah, je sais pas, il y a une anesthésie. La Stéphanie à la prochaine. Ou Justine à plus. Mais sinon, avant de partir, j'avais vu que tu parlais dans le miroir. Oui, je pensais qu'il était magique. Mais t'as cru quoi qu'on était dans Blanche-Neige et les sept nains? Ouais, en quelque sorte. Bref, j'y vais pas, Stéphanie. Bon, ça, c'est une petite musique gag. Voilà. Pour les blagues et machin, voilà. Donc, le premier test, c'est tout nécessaire. Bon, bah, adieu, ma vie natale. Justine, pourquoi tu dis adieu? Bah, je ne sais pas. Peut-être que je ne reviendrai plus. Ou peut-être que je risque de mourir, mais bon. Je vous le dis, hein, c'est un jeu très sombre. Hein, je vous le dis, il faut pas être en... Je vous le dis à l'avance, il faut pas être en truc parce que le jeu est très basé sur le... Voilà. C'est très sur ça. Alors, bon, il n'y a pas que ça, ne vous inquiétez pas. Hein. Reste de mourir, mais bon, comme on dit, il faut bien mourir un jour. Et non, Justine, tu vas revenir dans ton village, voyons. T'imagines... Ouais, du coup, je m'en souviens à peine du comment ils font. Une seconde, tu perds tes proches, ceux qui t'ont donné la vie. Comment tu veux que je ne pense pas à cela une seule seconde? Pour Justine, mais ne t'inquiète pas. Je suis là, mon bon cerf, je suis un chien qui se lèche les couilles H24, mais je suis là pour toi. Et tu es sérieux, Robert? Je n'avais pas besoin de savoir ça, voyons. Oups, je crois que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Bref, allons-y. Mais bonne idée, Robert. La prochaine fois, tu garderas ça pour toi. Lol, voilà. Voilà, maintenant... merde, j'ai oublié en plus d'équiper le machin, lol. Oh, quel con. Mais bon, comme tu m'as dit, Marjo, faut que je reste positif. Que je me traite jusqu'au bout pour vous tous. Ouais, faut que tu bats, Ethan. Surtout qu'on ressent surtout. Quand t'as ça, c'est la merde. Et d'après, je t'ai pas donné des points. Ça, j'ai pas bien. Voilà. Premier combat. Le début ça va tranquille, hein, je vous le dis. Le début ça va très tranquille, ça va tout doucement. On prend le temps de connaître l'histoire et tout. Après ça va bien chier. Après vous allez en chier. Mais ils t'expliquent même pas comment ils font les tests. Oh, d'accord, je me fous plus par un slime, lol. Oh merde. Non, pas du tout, à mon avis, c'est vite de me stresser. J'espère qu'il y aura un boss de fin. Elle me casse trop les couilles. Ah, ah bah... Ah putain, je vais te décevoir alors. Un peu possible, Ethan. Intéressant, Justine. Tu sais te battre, c'est déjà ça. Toi, ta gueule, tu fais chier. Par contre, Flo, c'est un mec qui a grave ému. C'est pour ça que j'arrivais pas à parler. Non. Non, malheureusement, Justine, tu sais, je vois tout ce que tu fais, le moindre jet sur l'attaque. Mais... Ah, intéressant, il voit tout ce que tu fais, seul Dieu peut faire cela. Ou voire même, c'est moi la patronne. Seul Dieu peut faire cela, voire même le diable, mais lui est différent. Je sens comme quelque chose de mort. Sérieux, Robert? Oui, c'est vraiment bizarre, Justine. Et tu arriveras à ton téléphone depuis le temps, et c'est ton bureau. Bah tiens, t'aurais dû mettre un dialogue en dialogue. Ferme ta gueule, connasse! Ah lol! Ah tiens, ouais, c'est vrai, ça aurait été pas mal. Ah
Non, ça, je pue la merde. C'est nouveau. Bref, j'y vais. On se retrouvera bientôt, Justine, dans la tombe. Bordel, mais il ne peut pas me laisser en paix, ce petit con. Bref, allons-y, Justine. Ouais, on m'a la tête, donc c'est vol. C'est cool. Ah, enfin, la pluie s'est arrêtée. Yep, je te cache pas que j'en avais marre de cette pluie. Tu m'étonnes, Robert. Bref, continuons. Oh. J'aime bien cette OST. L'OST là que vous entendez, je la kiffe. J'aime bien. Ça va super bien avec le truc. J'aime bien. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, demoiselle. Alors, vous campez ici? Oui, je suis avec Suzette et on en profite vu que la pluie s'est arrêtée. Suzette, c'est vraiment son nom? Non mais oh, vieux sac à foutre, d'où tu m'appelles Suzette? Oh, désolé, mon amour, là, tu aurais dû demander de finir le jeu en 15 jours. What? Attends, j'aurais dû demander à demander de finir le jeu. Je disais ça pour rien, voyons. Ouais, si tu dis vieux sac. Je crois que je vais vous laisser, je dois aller à Zalura. Oh, alors bonne route, madame. Et j'espère que vous avez une tente sur vous pour dormir, vu que la nuit va tomber. Merci, oui, j'ai une tente sur moi. Bon courage, Ethan, vous avez un ami qui a eu une blessure au poumon, tu passes une nuit. Oh, un truc comme pour atteindre ton poumon. Oh, ouh, ouh, ça doit faire mal, ça, putain, ouh. Oh, je suis en train de diriger d'imaginer la sensation, alors là, wow. Ça doit pas être agréable, clairement, hein. Ah, putain. Assemble la tente ici avant qu'il ne fasse... J'espère que tu as fini ton jeu en un, deux jours, espèce de feignant. Ben ça a duré beaucoup plus longtemps, en fait. Si ça se trouve, ça sera... Oh, putain, ça ne va pas être agréable. Oh, lolo. Et c'est une bonne idée. J'aime le feu, ok. Et ben voilà, c'est parfait. Yep, alors Justine, tu es prête à découvrir cette étrange chose qui a tué tes parents? Oui, Robert, je suis prête. Tu es sûre de toi, Justine? Bah, pour pas te cacher, j'ai peur. Je comprends, Justine. Tu sais, moi, c'est pareil, j'ai peur aussi de voir la chose qui a fait ça. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi cette chose a fait cela? Et pour quelle raison? C'est une bonne question. Je pense que Barjo peut nous le dire. Ouais, j'imagine. Bon, bah, je vais dodo. Tu viens, Robert? Non, je vais rester là. Ok, bonne nuit, Robert. Mais c'est à toi aussi, Justine. C'est quoi ce bordel? Approche, Justine. Encore toi, mais bordel, tu peux pas me... La ferme, viens ici. On y va. Ok, c'est bon, j'arrive. Salut. Le premier analyse qui t'ont fait, Ethan, ils t'ont fait. Quoi, juste? Coucou, Justine! C'est vrai, ça fait flipper ma gueule. Oh. Mais t'es qui, toi? Bah, tu me reconnais pas? Bah, non, voyons. Je suis ta sœur. Je n'ai pas de sœur. Peu importe, bientôt tu me rejoindras dans la tombe. Quoi? Alors, c'est toi qui as tué mes parents? Oui, Justine, ils étaient délicieux, tes baguettes au chocolat. Tu es vraiment un enfant, et pourquoi tu as fait ça? Parce que je pue la merde. Je sais pas, je crois que c'était à propos des poumons. Quoi? Sérieux, c'est pour cette raison débile que tu as tué mes parents? Oui, enfin non, quoique oui, et merde. Tu bugs ou quoi? Mais je ne te permets pas de te foutre de ma gueule. Bah normal, tu viens de dire que tu as tué mes parents juste parce que tu pues du cul. Mais, ah bon, j'ai dit ça? Bah en quelque sorte, oui. Fais chier, bon, je vais te dire la vraie raison. Changement de situation. ok. Parce que... Justine, réveille-toi. Ah, enfin. C'est quoi ce bordel? J'ai cru que j'étais dans la tombe. Étrange, parce que moi, je t'ai vu dormir devant le feu. Comment c'est possible? Vu que je t'ai dit si tu voulais me rejoindre et tu m'as dit que non, je ne comprends plus rien. Oui, c'est exact. Mais plus tard, dans la nuit, tu es revenu devant moi. Je t'ai endormi en quelque sorte.
C'est vraiment bizarre. On va se reprendre dans la route. Yep. Zalura Grotte. Bonjour. Oh bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Justine, je viens de la ville de Valoriel. Ah, Valoriel, c'est une ville tranquille, non? Je m'appelle Pierre. Oui. Et enchanté, Pierre. Quand on a un truc pour faire l'ordre mystique et t'ont trouvé des mots de l'ingueux, Pierre a appelé ta dieu pour monter d'attendre pour qu'il y ait des résultats où c'était dans l'avion. J'ai appris que deux personnes sont mortes là-bas, c'est ça? Oui, c'était mes parents. Oh, je suis terriblement désolé. C'est pas grave. Mais sinon, j'ai un ami qui a eu un cancer du poumon, je sais. Un peu de... Oh putain. C'est quand même des choses horribles, quand même, ces trucs-là, quand même. C'est... Le pire, c'est que ça te bousille ta vie, c'est de la merde. C'est chiant. C'est... En gros, tu vis pas normalement, t'as ce truc de merde qui te bouffe. C'est chiant. Ça va être vraiment chiant, quoi, sérieux. Bah, je vais à Zalura pour voir une personne qui aurait des réponses sur la chose, qui aurait tué mes parents. Je vois, bah justement, je viens de Zalura, mais le maire m'a demandé de détruire ce rocher, vu qu'il bloque le passage pour aller à la grotte. Je vois ça. Bon, bah, je vais vous laisser travailler. Courage. Merci, Justine. Et hop, musique de Zalura. Maison de Mike. Voilà, il y a Mike. Bon, bah, Mike, il va rater ça. Allez, il y a Mike. On va y voir Mike. Allez, go. Bonjour, monsieur. Oh, salut, la boys. Ça va? Oui, ça va, et vous? Oui, tranquille, appelle-moi Mike. Oh, Mike. En fait, vous connaissez un certain Barjou? Mike, c'est un clodo. Comme Barjou, il vit dans une tente de cul-cul-chat. Lol. Certains connaissent un certain Barjou dans ces villes? Oh oui, je connais ce Barjou. Il est juste à la maison derrière la mienne. Merci beaucoup, Mike. Derrière la voice. Pourquoi tu veux le voir? C'est mes parents qui m'ont dit, MDA, qui m'ont dit qu'il y aurait des réponses au sujet de la chose qui a tué mes parents. Nom d'un tabarnak! Je vois être désolé pour tes parents. Ce n'est pas grave. Bref, je vais aller le voir et encore merci. De rien, c'est avec plaisir. Alors. Là, ça va être intéressant. Alors là, je vais décevoir. Il porte le même slip pendant 15 jours. Lol. Et regardez. Maison de Barjo Eva. Oh! Ah, ma merde, c'est pas Eva la bosse. Oh, oui, qui c'est? Bonjour, c'est bien vous, Barjo? Oui, que me voulez-vous? Ah, c'est mes parents qui m'ont dit d'aller. Et quand tu leur dis qui clan, ils te parlent du soi-disant gnome voleur de slip. On n'a pas de maison, malheureusement. Ah, bref. Comment elle me balance note? Ah, pas une petite cabane de Pandérou. Bah, dans ce jeu, vous avez une maison. Voilà. Attendez, vous êtes bien Justine, c'est ça? Oui. Oh, ok, rentrez. Oh! Oh! Je parie que vous allez. Regardez, on a rien, ce mec me fait vivre dans la misère! Alors, c'est vous, Justine? Oui, c'est bien moi. Ok, et tout le monde, on vit dans la précarité des dénuements le plus total. Oh, bordel! À cause de Barjou qui a perdu son taf! Merci, Barjou. Par hasard, ce mot, vous aurez des informations sur ce chose? Oui, Justine, mais venez à la table, je vais tout vous expliquer. Ok, on va juste débarrasser tout ce bordel et vous montrer la carte en quelque sorte. Ok. Et je parie, vous avez même pas capté qu'il y avait un logo Sega. Ou peut-être que si, je sais pas, mais regardez bien en bas. Hein, vous avez le logo Sega. Voilà. Bon, c'est vrai, on vit avec le RSA. Ah, ma mère qui pensait que c'était un bon gars. Le pauvre, je lui dis rien au cas où. Attends, au cas où il lui arrive un truc pour qu'elle meure en paix. What? Magnifique logo. Ouais. Merci. Bon, voici Eva, mon amour éternel. T'es plus là, Ethan? Oh, je pense qu'il doit être là. Peut-être parti, je sais pas.
Salut Justine. Voilà, c'est toi Eva. Et d'ailleurs, ton perso, il n'a pas changé. Il n'a pas changé de l'autre jeu précédent, tu vois. Il n'a pas changé. C'est que bah, le personnage de Banjo qui a changé, que je l'ai fait plus à... Voilà. Voilà la Redim, je me marie avec un Lucario espagnol. Bonjour Eva. Bon, j'imagine que tu veux savoir sur cette chose, n'est-ce pas? Oui. La chose qui a tué tes parents, on l'appelle The Grim Reaper. En français, veut dire la grande faucheuse. La grande faucheuse? Oui, Justine, c'est qui a tué tes parents. Mais pour quelle raison? Malheureusement, on ne connaît pas la raison. Elle seule peut te le dire. Je vois. Et comment je pourrais la tuer? Parce que mes parents veulent que je tue cette chose, mais comment? C'est tout simple, Justine. Il existe un portail qui peut t'amener directement à lui. Par contre, plutôt à elle, parce que je crois que je me suis fait une petite faute, bon, c'est pas grave, c'est rien de grave, lol. Il y aura des... T'as une meuf espagnole qui a su que j'avais le cancer, elle m'a soutenu. Non. Ah bah ouais, étonne. Par contre, il y aura des... Ouais. Comme quoi? Des gardiens qui sont sous ses ordres. Je vois. En clair, tu seras obligé d'affronter ces gardiens pour accéder au portail. Ok, mais ils sont où ces gardiens? Ce n'est pas difficile à les trouver. Ethan, t'as pas répondu à mes questions dessus, t'as pas dû les voir. Pas difficile à les trouver. T'en as un qui se trouve dans un donjon loin de cette grotte et du village Alsixland. D'ailleurs, c'est bien précisé Alsixland. Bon, c'est dommage qu'Alsix il est pas là, lol. Parce que c'est sa propre ville. Voilà. Et le deuxième se trouve de l'autre côté de la mer. Mais c'est après le village de Malorie. Et le dernier se trouve encore plus loin, logiquement, le portail sera là. Et il se situe après le village de Sainte-Neige. Enfin, tu verras, ils sont très simples à trouver. Ok, merci Barjo et Eva pour ces informations. J'y vais de ce pas. Ok, bon courage Justine. Et bon voyage. Et bon voyage, même dire Alcide le Duc. Ah, oh, bah tu verras, hein. Et en plus... Alors franchement, je dis rien. Je crois qu'ils m'ont prélevé des cellules. Oh putain. Vache. Bon voyage Justine. Merci encore. De rien, bon moi, je vais aller sauter ma Eva. Mais, non mais oh. Non mais d'où tu vas me sauter, Barjo? Bah, j'ai envie de te faire des câlins, tu vois pas, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est moi qui vais te sauter, espèce de tarfoula! Ça va tellement bien la fin, juste la fin comme ça, j'ai fait, c'est trop bien. Ah, je kiffe. Espèce de starfoula! Bon, allez, je vous laisse. Bye, Justine. Ouais, mais. Ah, d'accord, bah, l'interaction n'a pas fonctionné, lol, c'est pas normal. Quoi, Justine, compte sur toi. Merci Barjo, mais j'ai une question à te poser. Comment t'as connu mes parents? Oh, c'était avant que cette chose les tue. Ils voulaient trouver une personne pour savoir ce que c'était. Ils m'ont trouvé moi parce que je connais cette chose. Je l'ai étudiée. Et je savais que c'était cette chose qui avait tué tes parents. Parce qu'ils me donnaient une description parfaite de la chose. Ils étaient une chose noire avec une sorte de grosse lame en forme de lune. C'est là que j'ai compris que c'était la faute de la mort, voilà. J'ai compris aussi que ce n'était d'autre qu'elle. Et pour les gardiens, ce n'était pas compliqué. En regardant sur la carte, il y avait trois emplacements précis, qui indiquaient un endroit inconnu par des points d'interrogation, comme ceci. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il avait des gardiens pour le protéger. De plus, dans un livre ancien, il disait qu'il se protège avec trois gardiens qui sont sous ses ordres, en clair, trois donjons. Trois donjons. Il y a trois donjons dans le jeu, voilà. Enfin, tu les verras de toute façon. Voilà. Maintenant que tu sais tout, va Justine. D'accord, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup par jeu, puis j'y vais. Alors Justine, encore courage pour les affronter. Merci par jeu et au revoir. Voilà. C'est bizarre. En plus, elle était trop belle la meuf. À mon âge, elle s'est pas inspirée que Catalan. Oh. C'est cool ça. Comment ça c'est que... Mais what? Il y a un blocage, mais lol, mais... Oh, c'est pas vrai, il y a eu une sorte de blocage, putain. Je sais pas ce qui s'est passé, tant pis. Bon. Restaurant. Bonjour madame et bienvenue au resto des Allemands. Bonjour monsieur, merci. C'est la maison de truc, maison de pierre, voilà. Bon, bah, malheureusement, elle est vide. Ah, du tout, il est ici, oui. Mais il faut m'y revenir plus tard. Voilà. Parfait pour moi, et t'as vu, il va en avoir un dégager espagnol de mon cul.
Lol. Bonjour mon père. Oh bonjour mon enfant, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Oui, je vais bien mon enfant. Bon, je dois vous laisser, au revoir mon père. Au revoir mon enfant, merci d'être passé dans la maison du Seigneur. Voilà. Non, il n'y avait pas d'interaction avec mon fils. Non, Barjo, il est confiné. Il viendra pas. Je surveille en bas de son immeuble avec un fusil à pompe. Intéressant, tu crois vraiment que tu vas m'avoir, petite garce? Toi, ta gueule, j'aurai ta peau, enfoiré. Ah, encore mieux! Alors, viens jusqu'au lol, jusqu'au portail, je t'attends, je pense. Ah, c'est vrai. Je pense que mes trois gardiens t'auront fait la peau bien avant que tu arrives jusqu'à moi. Mais au fait, il n'y a pas de perte de. Je regarde. Non, mais putain, mais il n'y a pas de perte d'image, c'est cool ça. C'est génial. Ah, on me casser les noisettes de chien celui-là. Moi, c'est pareil, Robert, il est chiant. Bref, rendez-vous au portail, ma chère Justine. Ouais, j'ai hâte de te voir de mes propres yeux, enfoiré. Et moi de même, bref, je n'ai pas que ça qu'à faire, j'ai d'autres chats à fouetter. Je vais prévenir mes gardiens de ton arrivée, et crois-moi, tu ne feras pas long feu face à eux. Voilà, à la sortie de l'hôpital, je fais un clip espagnol. Lol, sauver le soldat Barjo. Mais ils nous cherchent des puces ou quoi? Je crois aussi, bref, allons-y, Robert. Oh, rebonjour Pierre, je vois que tu as dégagé le passage. Oui, c'est bon, tu peux passer, Justine. Ok, merci pour avoir libéré le passage. Rien, c'est normal. Bon, je retourne chez moi en revenant, Justine. Ok, au revoir, Pierre. Ah, ça va vite. Hein. Hop. Voilà. Alors, c'est ça la célèbre grotte? Yep, j'ai bien l'impression, Justine. On balance, Robert. Changement de machin. Oh, d'accord. Je suis qui me sodomise, super. Non, l'islamiste doit tenir! Oh putain. Voilà. Voilà. Tu allais vite que tard, dis donc. Ouais. Bah parce que Ethan, ils vont te faire quoi pendant tout ce temps l'hôpital, t'es laissé même pas rentrer chez toi? Bah j'étais sur le point de loup. Ah bah désolé, désolé de vous avoir dérangé tard. Excusez-moi. Sinon j'aurais pu lancer demain ou truc. Hein. Non parce qu'en même temps je me suis battu avec YouTube, là, j'étais en train de me battre avec, ça m'a pris plus de 30 minutes là. Ça m'a pris du temps. Ah bah sinon j'aurais dû peut-être lancer plus tard, demain ou je sais pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas de problème, de toute façon, il est fini. Je pensais que tu allais lancer à 20h. Ah non, non, j'allais pas, non, non, j'allais pas lancer à 20h. Parce qu'il y a mon père qui utilisait la box TV. Par El Corazón del Lucario Española, pour le cœur du Lucario Espagnol. Lul. Il avait. Comment dire, je pouvais seulement qu'à minuit. Mais... je crois que c'est 7 mois minimum à l'hôpital et t'avais pour te faire recommencer pour les points. 7 mois? Oh putain, vache. Putain, bah courage en avance, Ethan. Hein? T'as pas de mort, putain. 7 mois? Oh. Bon, bah voilà. Non, même pas. Bon, bah voilà. Nous sommes sortis. Ça va être super long. Ouais, ça fait la moitié d'un an.
Carrément. C'est une surprise, Blue. Yep, le logement d'après l'enjeu, c'est le village d'Al-Sixland. Mais allons-y. Bah putain. Mairie de Al-Sixland. Oh, en plus j'ai écrit une meuf. Alors ça, c'est fou. Bon, on va aller voir lui en premier. Jacques. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, rappelle-moi. Jacques. Oh, ok, Jacques. Vous allez bien? Oui, ça va bien, et vous, Jacques? Et encore, ça peut être 18 mois, même 21 mois. La moitié. Oh putain. Bah non. Ça va, ça va. Il a l'air stressé. Vous êtes sûr qu'on dirait que vous êtes stressé? Je me trompe? Bah oui, oui, oui. Mais pourquoi? Depuis que j'ai découvert ce fichu donjon. Quoi? C'est ça qui vous stresse? Non, en vérité, c'est que ça fait un bon moment. Je n'ai pas touché à mon rosé. Quoi? Rosé? Il veut pas être sa teub, lol. Oui, de ma teub, je voulais dire. Ben voilà, c'est marrant que tu n'aies pas capté direct, Justine. Ah d'accord, bon, ben, je vais vous laisser avec votre arroseur blanc. Oh, ok. Mon Dieu, c'est la première fois que je vois un humain en manque de branlette, c'est ouf. Quoi? Ben toi, tu branles pas? Ben, en quelque sorte, non, enfin, quoique je ne sais pas comment je ferai. Ah d'accord, bon, bref, allons-y. Bon, on va aller voir ce barjou. Ce Al-Six. Voilà! C'est un roi. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Oh, bonjour, madame, et appelle-moi Al-Six. Ah, c'est donc ça le fameux nom du village? C'est exact. Et voici Charline, mon épouse. Bonjour, Charline. Bonjour, madame. Alors, Alors, vous visitez notre petite ville? Oui, c'est bien ça. Sans être indiscret, vous venez d'où? Je viens de Valoria. Oh, je vois, mais c'est un peu loin ce village, non? C'est ça. J'ai entendu dire qu'il y avait eu deux personnes de mort, c'est bien ça? C'est bien ça. Et c'était qui les deux personnes? Dis pas ça, Ethan. Ben, je serais capable de venir te voler tes organes. Ben, c'était mes parents. Oh, je suis désolé pour vous. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et toutes mes condoléances pour vos parents. Merci. Sans vouloir vous embêter, qui a fait ça? Je ne sais pas comment vous dire cela. Et vous allez sans doute pas me croire. Dis toujours, on verra. C'est la grande faucheuse. Quoi? Tu veux dire la faucheuse de la mort? Oui, vous la connaissez? Oui, cette saloperie a tué Vlad, des amis à moi, je la hais. Mais c'est horrible. Oui, j'ai envie de la tartifler. Mais je peux pas. Moi, je pense pouvoir y arriver. Ah bon? Yep. Alors si tu peux, vas-y, essaye. Moi je ne pourrais pas, j'ai ce village à gérer. Ok, si que je comprends, bref, j'y vais. Bon courage, alors bon courage. Merci à vous deux. L'armurier. Là, bonjour, que voulez-vous acheter? Alors, j'ai 165 euros. Tac. Voilà. Là, je peux changer les outils. Tac. Voilà. Oh, je trouve pas. Il m'a volé mes dents en or pendant mon sommeil. Oh, c'est un enfoiré, ce barjo. C'est un enfoiré à l'al. Il les a revendus au poids. En bordel. Lol. Oh! Voilà. Lol. Vraiment. Église suivante. Bonjour ma mère. Alors je sais pas si on dit comme ça dans le truc. Je sais pas si c'est ma mère, ma soeur, ma frangine, ma... Ma Alouf, ma Alal, ma... Hein, j'ai volé le plagiat de dodo. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus dans mon carton. Ah, je me disais bien qu'il me manquait un truc pour le cul, tu vois. C'est merde. Putain, je l'ai plus, quoi. Oh, putain. Ah, je me disais bien, il y avait un problème.
Mais merde, putain! Putain. Bonjour mon enfant, comment tu vas? Je vais bien avec vous, ma mère. Oui, ça va très bien. À ce que je vois, tu t'approches du premier gardien, Justine. C'est quoi ça? Et pourquoi il fait son tout d'un coup? Ne cherchez pas ma mère. C'est la grande faucheuse qui me parle. Quoi? Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais elle veut me tuer. C'est normal, tu fais partie de ma liste noire. Tu es censé être la prochaine, mais bon. La liste noire. Il parle de la célèbre liste du diable, c'est bien ça? C'est exact, humaine. Ce que je vois, vous connaissez cette liste. Alors si je fais partie de ta liste, pourquoi tu ne descends pas par toi-même pour me tuer? Ça serait trop simple, voyons. Toi, c'est différent. Je veux te voir souffrir. Pourquoi? Parce que j'aime voir mes proies avoir mal, pour que par la suite je le tue d'une manière excitante. Bref, trêve de blabla. Il commence à m'énerver le plus. Tu l'as reniflé, il sent l'abricot. Eh, bonsoir. Merde. Oh putain. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merde. Oh putain, j'ai oublié tout. Oh là là. J'étais tellement dans mes trucs que je sais plus tout. Parce que Wonder, ok, merde, c'est quand je. Merde, bonsoir, merde, ok, merci. Oh putain, j'arrive même pas à retenir. Nat, ah oui, Nat, putain, quel con, oh là là. Bonsoir, Nat, comment tu vas? Désolé, ça me tombe là, c'est pour ça. Il commence à m'énerver de plus en plus, celui-là. Ouais. Je comprends, mon enfant. Bref, ma mère, ce n'est pas ce que je veux pas rester, mais je dois y aller. Pas de soucis, comment tu vas, Nat, sinon? C'est mon enfant, et soyez fort, surtout et courage. Merci, au revoir. Voilà. Maison de la mère, 3 points d'exclamation. Pourquoi il y a ces points d'interrogation? Bah, ben, je l'ai expliqué que les donjons. Bah, ça va, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Bah, surtout en live, ça fait longtemps, hein. C'était depuis le mois de février, ça date, hein. C'est. Wouh! Oui, c'est le jeu que je t'ai parlé, que j'ai créé, qui m'a pris longtemps, et j'ai enfin fini, après des mois, lol. Voilà. Alors, je te l'expliquais des longs fois, t'as indiqué par ces points d'interrogation. Ah oui, c'est vrai, bon, bah, allons-y. Alors, rassure-moi. Oh, ouais, c'est le beau jeu, oui. Rassure-moi, t'as bien parlé avec Barjou pour ça? Oui. Ah, ok, alors allons-y. Bon, bah, c'est parti pour le premier donjon. On y va. Alors, c'est ça le premier donjon? Faudrait que je crée un nouveau jeu. Ah, oh, ce serait cool ça, Nat. Yep, tu es prête. Ouais, allons-y, Robert. Alors, c'est ça l'intérieur? Yep, Justine. Et il est où ce fichu gardien? Alors là, bonne question. Bref, allons-y. Étage 1. Oh! Scorpion, pareil. Oh putain, je crois que je vais bientôt me retrouver là. Ouais. Tu dois bien te faire chier à jouer à ton propre jeu que tu as déjà joué et rejoué. Ah bah, la dernière fois que j'ai rejoué à ce jeu-là, la dernière fois que j'ai rejoué mon jeu, ça date. C'était un mois, je crois, 2 mois, je sais plus. Non, ça me fait pas chier, au contraire, j'aime bien. Ça me fait un vrai plaisir, tu vois, c'est trop bien. Surtout, je le kiffe. Alors, surtout, j'avais hâte. J'avais hâte, voilà, quoi. De sortir enfin. Honnête. Donc alors c'est cool, oui. Ben, en plus le pire c'est que pendant 4 semaines mon disque dur il a été mort. Hein. J'avais plus de disque dur, alors mon PC était complètement volant. Alors j'étais obligé d'attendre 4 semaines pour avoir un nouveau disque. Alors t'imagines? LOL. Alors un nouveau disque tout neuf. LOL. Heureusement j'ai sauvegardé le jeu, hein, sinon c'était mort. Mais bon.
Sinon, oh merde, et du coup ton jeu était sur... Non, 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 bah non, vu qu'il est disponible en lien téléchargement. Il est en bas dans la description. Non, non, il est dispo, t'inquiète. Ok, ouf, ouais, t'inquiète pas. Oh putain, je vais crever, lol. XD. Je téléchargerai. Ok, d'accord, on a de super, c'est cool. Alors, la question. Voilà, bah, enfin, un contrôle Justin Rose. Bah, du coup, ouais, t'as pas vu le début du coup. Bah, de toute façon, tu vas découvrir si tu le fais. Tu découvriras. Est-ce que je prends une potion juste pour ça, lol? Non, non, pas besoin. Même si en ce moment, je suis plus occupé à jouer à Terraria, je te vois. Ah, bah, c'est pas grave, Nat, t'inquiète. Vous ne possédez pas la clé. Ah, bah oui, c'est vrai, Flo. Ouais, ça, par contre, c'est un truc qui m'a pris. Par contre, ça, je l'ai appris. Et vraiment, c'est super. Je sais, par contre, merde, c'est celui-là ou l'autre? Non, je crois que c'est celui-là. Attends, non. Oh merde. Hey! Oh, d'où tu me touches là, toi? Hein? À l'attaque! Mais what the fuck, ce coffre est vivant, j'hallucine. Et en plus, il se croit dans Pokémon! Ferme-la le cabot, depuis quand les chiens parlent. Et c'est quoi Pokémon? Et toi alors, depuis quand les coffres parlent et t'as qu'à sortir de ta grotte, tu verras c'est quoi Pokémon? Imagine si t'as clé chez toi et qu'en fait c'est un meuble de ta chambre. Ouais, j'imagine le truc. Hey. Oh putain, tu vas voir, je vais te refaire le Moulinex! Bah viens, espèce de coffre à la con! Eh frère coffre, attaque tonnerre! Bon bah je suis seul, bon bah bref, chargé! What? Oh putain, je fais même pas de dégâts, sérieux? Ah non, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Lol. Mais! Oh, c'est pas vrai! Ça me fait penser au jeu Mario Luigi sur DS. Ah, bah, je sais pas. Oh, bah, c'est pas grave. Quel l'a pas retrouvé? Ah, je sais pas, je crois que j'ai pas encore joué à celui-là, je sais plus. Non, je crois pas. En tout cas, pas en même temps, en tout cas. Ah oui, bah un jour j'ai un truc à te dire. Je te préviens à l'avance. Tu vas en chier. Je te le dis à l'avance, c'est tout. Je te préviens. Tu vas en chier, tu vas rager. Je te le dis, voilà, t'es prévenu. Enfin, je te le dis, je préviens. Voilà. Hein, voilà. Tu vas en chier, je te le dis à l'avance, comme ça c'est fait. Les textures perso ou ce que tu as tu es fait avec tes textures perso, bah non, j'ai fait avec mes propres bah les propres textures du logiciel, ouais. En tout cas, Barjo, t'es prévenu. Alors hein, si tu fais sur ton live, si tu fais sur ta chaîne, bah hein, on va te voir ranger, il y a des chances. Hein. Et tu verras pourquoi, je te dis pas. Enfin, à moins que t'es plus fort que ça sur le truc, je sais pas. Là encore, c'est que le début, alors ça va. C'est léger, ça va tranquille, doucement. Niveau 3. Voilà. Merde, je sais plus. Ben je vais en chier. Ah bah ben, j'ai hâte de voir ça, loul. Bah de toute façon tu vas le voir là dans le truc, tu vas voir. C'est moi c'est pareil, je vais en chier, alors je vous le dis. Hein. Je risque de rager un moment. Alors ça va faire comme Cuphead, c'est pareil. Lol. C'est pareil. Je crois que c'est là, je crois. Peut-être que.
Ah bah, elle l'a pas retrouvé. Oh. Étage 3. Potion trouvée. Ah bah ça, ça va servir. Je crois que je vais vous laisser. Je vais pas vous spoiler pour les autres coffres. Hein. Je vais vous laisser. Comme ça, vous découvrez par vous-même. Voilà. Parce que vu que je connais bien le jeu, bah, vu que c'est moi qui l'a fait, du coup, je vous laisserai découvrir les autres dialogues. Voilà. Oh putain. Ok. Ça du boss. Bon, là, faut que je change bien. Objet. Je sens que ça va passer en mode éditeur et tu vas remettre le point d'apparition plus loin. Ah non, non. Non, déjà, le jeu, il est déjà prêt, truc. À moins si je remodifie, mais il faut que je fasse tout le bordel. C'est pas fini. Sauvegardation, parce que là, et là, ça fait... Ah, putain, ça fait déjà une heure. Eh bien, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'ai bien passé le bonjour. Bonsoir à Nice, comment tu vas à Nice? Oh, putain, ça fait déjà une heure, sérieux? Putain. Alors, c'est toi le gardien de la faucheuse? Moi, oh, Scorpion. Yep. Prépare-toi à mourir, Justine. Jamais tu ne tueras la grande célèbre faucheuse. Tu me fais rire, enfoiré, allez, c'est parti. Et toi, ouais, ça va tranquille, là, je suis en train de présenter le jeu, tout ça. Tu pourras même le télécharger si tu vas à Nice. La musique épique du boss, voilà. De tout le monde, c'est Squeezie. LOL. Ah bah d'accord. Oh putain, il est énorme le truc. Ferme-la et bats-toi. Ça devient sévère. Merde, putain. Attention, l'entrée de la légende à Nice est dans la place. Eh, Barjo, t'as entendu? Qu'est-ce que j'ai dit avant? Je sais même pas si t'as entendu! Ah putain, et puis là, je sais que je vais en chier. Quoique. J'aime bien cette OST, je kiffe. Oh putain. Non, je suis en train de réparer mon PSP en même temps. Ah, d'accord, ok, pardon. Oh putain, énorme le truc, t'aurais pu faire une blague sur les mères, mais t'as voulu garder ton honneur. Ouais, dis-moi, Dono. En fait, non mais, Barjo, je vais te dire. Je te dis juste que tu vas en chier sur le jeu. Voilà, je te le dis, tu vas en chier, je te le dis. Parce que moi, c'était le cas quand je l'ai fait en test. Hein. Voilà, je te le dis. Tu risques de rager dessus, il y a des chances. Voilà. Oh putain. Quoi c'est bug ton... Attends, c'est bug... Quoi c'est bug ton jeu de merde? Non, c'est pas bug, mais non, attends, quoi... What? Non, ça bug pas, lol. Non, j'ai pas dit que ça... c'est pas bug ton... Non, c'est pas bug. C'est... tu vas rager parce que les boss... Ils sont hyper trucs, ta bestiole, on dirait des poids par l'eau. Non, c'est. Faudra fournir 6 manettes à cause. Non, je te trollais. Ah, tu me trollais. On n'avait pas capté. Oh putain. Non, j'aurais pas dû. Ah putain, j'ai eu chaud au cul. Putain. Oh l'enfoiré. Ah, oh, c'est dans ta gueule, c'est bon, et hop. Ah, 150 points, tac. Hop. Mais non, comment c'est possible? T'as vu ça, comment je t'ai mis la raclée du siècle? Espèce de petite peste, jamais tu me vaincras les autres gardiens, ils sont bien plus forts que moi. On verra ça. Bon, bah, c'est parti pour le prochain donjon. C'est ça, Justine, par contre, il est de l'autre côté de la mer. Ah oui, c'est vrai. Bah, je crois que sur le panneau, ça disait qu'il y avait un port. Explosage de manette ou de clavier à l'approche. Il y avait un port, je ne sais plus quoi. C'est ça.
Bref, allons-y, Robert, en espérant qu'on peut sortir d'ici. What? Non, ça c'est qu'il n'y a pas eu le... Bah d'accord, bah tant pis. Ça n'a pas activé le machin. Ah bah. Sauvegardation. Non, comment c'est possible? Bah alors, t'es énervé? Tu croyais quoi? Que j'allais sourire? Tu viens de voir mon premier gardien. Et moi qui pensais qu'il allait te tuer. C'était le premier jour? Ouais, c'est ça, c'est le premier. Le premier, c'est tout doucement. Ça va tout doucement. C'est vraiment léger au départ, ça va savoir. Léger. Et après, ça devient plus... Beaucoup plus truc. Enfin, tu verras. Ok, te tuer, mais je me suis trompé. Je t'ai sous-estimé. Tu es bien plus forte que ça. Mais bon, on verra cela avec le deuxième gardien. Oui, on verra ça. On dirait qu'il se chie un peu dessus, non? J'ai bien l'impression, Robert. Bref, allons-y, Justine. Marjo, t'as bien appliqué ton produit anti-poux? LOL. Avec ça, le mien. J'espère que tu vas arriver à les éliminer. C'est sympa sur ton niveau de la gestion des dialogues. Ouais. Attends, c'est que le début, après il y a autre chose. Antoine. Antoine Daniel, ou Antoine Renard. Bonjour monsieur. Oh, bonjour jeune femme. C'est à vous le radeau? Oui, pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour aller de l'autre côté, si possible. Pour être toute propre pour leur entrée scolaire, même avec ton cartable. Pour être tout. LOL. Ça sera bon pour toutes les personnes qui veulent aller de l'autre côté. Ok, merci monsieur. Pas de soucis. Et au fait, et votre barjou, vous avez vu votre perso, moi? Je sais même pas si vous l'avez vu, LOL. Je sais même pas. Vous savez où se trouve Malorie? Oh, ce n'est pas compliqué. Il y a des rochers qui vous indiquent le chemin, on verra par vous-même. T'as pas galéré pour placer les têtes de tous les dialogues? Ah bah. Bon, on s'en va. Si, si. Ah, vous l'avez vu, ok. Attends, galéré pour placer la tête de tous les dialogues? Enfin, tu veux dire. Non, je crois pas. Oh, je sais plus. Tu sais. Je sais plus, moi. Je sais plus si j'avais en chier ou je sais plus. Ah, ah non, tu parles du truc. Ah si, 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 ouais. Si, si, si. Si, quand même. Si. Et merci, monsieur. Si, si, parce qu'il fallait que tu choisis la bonne tête, la bonne expression, le bon truc, pour que ça corresponde au dialogue. Voilà. C'était un peu galère, j'avoue. Mais c'était rien comparé aux corrections. Voilà. À côté de ça, c'est du gâteau. C'est du mamie gâteau. Voilà. Bon. Mais tu es à la con. Le plus j'en ai chié, c'est vraiment les corrections françaises. Voilà, la conjugaison française, c'est vraiment de la merde. Je vais le dire, mais clairement. Ah, si t'es pas fort en français, tu vas en chier. Ah non. Heureusement qu'il y a... Mais putain, c'est pas vrai. Tout propre pour la rentrée, heureusement qu'il y a du gel hydroalcoolique partout pour se laver comme toi. Comment ça, ça vaut pas une douche? Merde, je vais crever en plus l'eau. Pour l'autographe, demande conseil à Barjo. LOL. LOL. Bon, par contre, si je dois montrer mon visage, je porte un bonnet obligatoire. Et ben voilà, nous y sommes. Yep, Justine, avant d'aller deux jours explorer un peu le village, si ça te dit, bien évidemment. Bah, tout dépend de la personne qui est derrière l'écran, s'il veut qu'on explore ou non. Là, là, voilà. Ça devient très intéressant maintenant. Là, on va dans le sujet intéressant. Maintenant, c'est vous. Et ouais. Maintenant, ça part direction à vous. C'est plus pareil. On m'a rasé la tête à cause du cancer. Oh putain. Oh, ouais. Bon, Barjo, je hante un pas avec du gel hydro. Je vais direct à l'éléphant bleu pour vous le laver au karcher, ce sale bico.
Personne qui... Voilà. Pas faux Justine. Bref, allons-y. Mais avant, j'ai une question à lui poser. Ok. T'as déjà rasé tes cheveux? Tu as commencé les chimios? Et toi, la personne qui nous contrôle, j'ai une question. T'es une femme ou un homme? Je ne le lave pas. Hein? Ok, alors bonjour monsieur. Mais ça sert à quoi de faire ça? Bah, juste pour savoir si c'est un gros pervers qui me contrôle. C'est même pas. Ou ça soit une ravissante femme. Non mais lol, tu n'es pas sérieux, Justine, on s'en fout après tout, non? Non mais c'est intéressant au contraire, imagine que ça soit un gros pervers qui se branle en me contrôlant. Ça serait bizarre, mais bon. Oh, ce n'est pas contre toi si tu es une femme, mais c'est juste que j'en ai vu des hommes se branler sur des personnes féminines comme la raccroche. Ah, Justine, après, il va rager et quitter le jeu. Bah, s'il fait ça, c'est qu'il ne connaît pas le second degré, bah, fallons-y. J'avoue que c'est grave quand même, c'est grave même. Voilà. Malheureux. Bon, on t'a rasé la tête. Alors c'est grand. Je vous dis, hein, c'est un grand village. Maison de Alice. On va vivre Alice. Bonjour madame. Oh salut toi. Et comment vous allez? Bah Ethan, tu sais bien si t'as commencé la chimiothérapie quand même. Bah tranquille, pichon en l'air et vous? Elle se la pète ou je rêve? Quoi? Ouais, genre un blanc, si je sors, je prends ta bonnet. Ah non. Quoi? Pichon en l'air? Il me dit à la tête du chien en mode j'ai vu des trucs, mon pote, j'ai pas envie d'en parler. Pichon en l'air, c'est quoi ça? Attends, ça veut dire que tu es un pichon entre les jambons? Non, c'est une façon de parler pour dire que je vais bien. Vous avez vraiment des expressions de merde. Ça, c'est un gros clash. Voilà, c'est un gros machin. Voilà. Ok, bon, bah, j'y vais. Ok, bye, pichon. Voilà. T'es pas méchant. Hein. Lol. Maison des bananes. Bon, je sais. Je l'ai appelé comme ça, oui. Clairement. Je trouvais que ça faisait bien. Du coup, toutes les personnes dans la maison actuelle, là, c'est... Ça finit par banane. Alors, ça, c'est fait. Bonjour, jeune demoiselle, mon collier a été volé par un bandit. Ça vous dit de le récupérer pour moi? Alors, ça, c'est une quête annexe. Voilà. C'est une quête supplémentaire. Oui, pas de souci. Non, parce que je m'en fous. Clairement. Voilà, je m'en fous. Clairement. Si t'es obligé de dire que c'est un clash, alors tu peux te poser la question de si c'est vraiment un clash. Enfin, c'est pas vraiment un clash, mais bon, c'est une phrase comme ça, mais... Expression de merde, c'est... Voilà. Bah, dis-moi ce que c'est, je te dirai si c'est le cas, parce que j'ai commencé un traitement, ainsi, une sorte d'anguille, une le thorax, enfin... Oh putain, ça craint. Bonjour, monsieur. Ou bonjour, appelle-moi Dono. Oui, c'est mon perso. Oui, c'est mon perso, oui, dans le jeu, je suis vieux, je suis un vieux vieillard de 80 ans, voilà, ça doit être bizarre, hein. Je veux dire, là, on dirait un espace univers entre les deux, et ben voilà, enchanté Dono, moi également, et vous allez bien? Oui, je pète la forme, ah, c'est génial, et vous, jeune demoiselle, pareil que vous, content de l'entendre là-bas. Bon, je dois y aller. Ok, bonne journée. Oula, c'est chaud là. En plus du corona, on doit faire des trucs chauds, quoi. Attends, bon, allez. Merci à vous aussi. Bon, est-ce que je vous montre la quête annexe ou. Je sais pas mieux. Bon rétablissement. Ouais, bon. Courage, Ethan, et bon rétablissement, Ethan. J'espère que ça va aller. Ça va bien se passer. Bon. Du coup, on va faire la quête annexe. Oh, merci de m'aider, jeune demoiselle. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Le bandit doit sûrement se trouver dans la grotte qui est après les tombes de Malorien. Alors, les tombes de Malorien, là-bas.
Grotte des bandits. Oh, toi tu vas où comme ça? Bah je vais récupérer le collier de Jeanne, donc deux petits coups. Et tu crois vraiment qu'on va te laisser passer aussi facilement? J'imagine que non. Prépare ton cul alors, tu vas morfler, je vais te pénétrer avec mon katana et tu chieras les katanas. Espèce de pervers, tu vois, c'est moi qui va refaire ton cul concours, mais c'est toi qui chieras les katanas. Voilà, inversement de situation, voilà. Ok, tu lui envoies une petite garce. Voilà. Alors oui, c'est une musique japonaise. Merci Mickey. Oh là là, Mickey, merci pour le soutien des frères. Mickey Mouse, oh, oh putain. Bonsoir Mickey Mouse, lol. Oh, mais ça sent le truc, lol. Mais bon, quelque chose de bien. Ah non, mais là, clairement, ça aurait pas été le vrai. Mon Dieu. Voilà. J'y crois pas battu par une garce. Parce qu'il sait pas quand me charge pique. J'avoue. Parlons beauté cul du chef. Yep. Allez. Et c'est toi qui as le collier. Ouais, et ça te fait quoi, petite peste? Tu crois ça se fait de voler une mère collier qui lui appartient? D'où tu m'appelles, tu vois, petite peste, petit con? Ah, je m'en fous. Ok, tu as revu le petit con. Voilà. Pourquoi Mickey Mouse? Je sais pourquoi. D'ailleurs, vu que je vais faire ça, masquer utilisateur, boum, tu dégages. Paf. Parce que je sais c'est qui, lol. Allez, tiens, prends-le. Hop, ça c'est réglé. On y a du jeune. Cherche pas, je sais c'est qui. Putain, mais c'est. Hey, mais sérieux, quoi, mais. C'est un truc de fou, ça. Putain, quoi. Enfin, je vais pas dire, mais bon. Un collier revient, allons-y, pire de l'année. Yep. Allez. Vous avez l'essentiel. Ouais, voilà. Lol, c'est qui lui? Cherche pas Barjo. Cherche pas, je sais c'est qui. Enfin, j'irai pas le blaze. Je suis pas con. Hein. Sérieusement, les mecs, sérieusement, hey, ça craint, hein. Vous êtes des gamins, sérieusement. Vous êtes pas matures, les mecs, hein. Sérieusement, ça craint, hein.
Ça craint les mecs. Hein. Ça, vraiment, hey, ça c'est grave. Je vous le dis. Hein. C'est grave. Putain. Oh, clairement. Sérieusement. Putain. J'hallucine. J'hallucine. Oh. Si je crois, qu'est-ce que je pense, putain, ça craint. Ça craint. Ça craint de ouf, je vous le dis. Ouais, c'est grave, hein. C'est celui qui a enculé les pangolins, je le connais. Ouais, ouais. Ouais. Et la chauve-souris. Bonjour mon père, bonjour mon enfant, comment allez-vous? Non mais sérieusement, le pire c'est que je craignais ça. Je craignais, je savais que ça allait arriver. Si je lance ce truc, je sais qu'il va y avoir des gens qu'on va. Vous allez reconnaître. C'est pas possible, sérieusement. Putain. Je vais laisser mon père, je vais y aller. Pas de soucis, mon enfant, on va répondre à ça. C'est à vous. Fort possible, fort possible. Fort possibilité. Dans tous les cas, c'est fort possible. Voilà. Sérieusement, quoi. Putain, mais ça, mais c'est. Wouah. Wouah, putain. Sérieusement, les mecs, allez faire chier des gens. Tu vois, des gens qui. Par exemple, je sais pas, des gens qui demandent des dons à des gamins, tous ces trucs-là. Allez faire chier des gens comme ça, tiens, c'est plus intéressant. Sérieusement, lol. Putain. Mon avocat, il aime pas les crustacés. J'imagine. Non, mais sérieux, c'est grave quand même, merde. Putain. Hey. Les crustacés. Non, mais on dit pas, Nat. On dira pas c'est qui. Mais non, mais sérieusement, mais. Vous rendez compte quand même le truc de mentalité, je veux dire le truc, c'est grave. Hein. Mais pas de non, mais moi ça me saoule, sérieusement, faut le dire. Hein. Faut le dire quand même. Ça, non, mais de toute façon, je dis pas les blagues, mais ça m'énerve, c'est tout. Mais trop comme, attends, mais merde. Oh putain. Chaud, hein. T'es chaud quand même, hein. Ça craint. Hein. Je vous le dis. C'est marrant, hein. C'est au moment où je fais mon jeu, ouf, je vais dire à mon pangolin, il n'aime pas ça. C'est marrant. C'était pareil pour l'autre jeu. C'est la même chose. Donc, moi, j'ai vendu mon jeu avec ça, c'est pour 150 euros, il l'a bien aimé. Oh putain. Non, mais sérieux, ça. C'est... Non, mais franchement, c'est chiant, c'est voilà quoi. Merde. C'est bon quoi, franchement, c'est à la force, je vous jure, ça vient au haut. Il m'a dit que c'était très sucré. Lol. Bon, tu trouves que je ne vais pas bien? Je ne sais pas, ta façon de me regarder. Non, montre tes pieds, Bob. Ah, comme Jackie. Et si c'est un jus de crustacé, il va apprécier. Tu voulais dire plutôt bébé, Barjo, plutôt bébé, ouais, parce que ça fait beau, ça fait un peu bizarre. Un poulpe dans son jus. Pas ta façon de me regarder. Pourquoi tu portes une perruque de l'eau? Ah bah ouais, t'as vu, je porte une perruque, t'as vu ça, c'est dingue, t'as vu, perruque violet pitou, tu vois, en mode pupu de la valide. Lol. Bah, comme ma façon de regarder, un diabolo fricassé de colin capitaine igloo. Sans me regarder. Ça t'arrive des fois de péter un coup, non? Ah ça va bien ça pour les Google là. Ça va super bien. Le Lucario de El Mystique. Bonsoir le Lucario de El Mystique. C'est toi Ethan, c'est toi? Bon, je pense que c'est toi, non? T'as dû voir Ethan. Ouais. Ouais, t'es qui? C'est mon mec Ethan. Ah, bah, je sais pas si là. D'ailleurs, j'ai loupé un truc, je crois, j'ai entendu genre ça parlait de blaze et tu voulais pas dire, mais c'est. Kéo, c'était moi. Je suis un gros gamin, c'est là. Ah, mais c'est toi! Oh putain! Son fameux os du cario. Ah, ok. Ah, d'accord, mais c'est toi, mais sérieux, putain! Ah oh, putain, t'aurais dû dire tout de suite. C'est un. Ah, d'accord, c'est. Attends, je sais pas, il dit parce que je suis son fameux truc du cario. Ah, c'est Tan, hein, d'accord, ok. Ah non, mais t'aurais dû le dire, Nat. Ce coup, j'ai cru que c'était les trucs. Oh putain, t'es sérieux? Ah
Moi, comme un con, j'ai cru que c'était les autres gogoles, là, les autres gamins, là, avec mentalité de... Oh là là là. Oh putain. Oh putain. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Et tu as cru quoi? Que je ne lâche jamais des caisses? Putain, tu nous as bien trollé. Je suis son bon chien d'anécamistique. Ça te rappelle pas un truc, le double con sur un certain espèce sans être... Ah oui, mais oui, ça y est, je me souviens, ça y est. Bah oui, avec ton célèbre Mikaous, là. Oh, un célèbre truc, la merde. Je sais pas, tu étais hyper sérieux sur le coup, j'ai cru que oui. Ah non, t'inquiète pas, je pète de temps en temps. C'est juste que j'ai des vaches à m'occuper. Ah, ok, bon, bah je vais te laisser, courage. Merci. Ah, puis moi, comme un con, je tombe dans le piège, quoi. Ah, je me dis, putain, je me dis, je vois Mickey. Je me dis, bon, ah, ça va être encore un gogol. En fait, non, c'est toi, Nat. C'est toi. C'est... Putain. Oh, bordel. Bonjour, madame. Oh, bonjour et bienvenue à la mairie de Maloria. Merci. En quoi je peux vous aider? Bah, rien, c'est juste pour faire un coucou. Ah, d'accord. Bon, je vous laisse travailler. Bon courage. Merci. Et oui, je suis de retour. Mais là, j'arrête pour pas faire de pur pour rien. Non, mais sur le coup, je pensais que c'était encore un truc. Non, mais je vais pas dire. Tu vois. Parce que vraiment, si c'était ça, voilà, ça craint. Hein. Je vous le dis. Bonjour, monsieur le maire. Oh, bonjour, jeune demoiselle. Vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous? Oui, tranquille, je fais juste une visite dans votre grande ville. Oh, vous n'êtes pas d'ici? Non, je viens de Valoria. Oh, mais je connais cette ville. C'est tranquille, je crois, non? Oui, c'est ça. Oh, mais j'ai entendu comme quoi il y a eu deux morts, deux personnes tuées là-bas, c'est ça? Oui, c'était mes parents. Oh, je suis désolé pour vos parents, c'est juste affreux. Oui, les deux tués par une chose que je dois vaincre. Et c'est quoi cette chose? On l'appelle la Grande Faucheuse. Mais oui, tout est clair maintenant. Cette chose que vous appelez la Grande Faucheuse a tué un enfant et l'a emporté. Cet enfant n'était rien qu'une mouche sur ma liste noire. Saloperie, bientôt j'aurai ta peau enfoirée. On verra sa petite peste. Déjà, on va voir si tu résistes au deuxième gardien. Je vois déjà ton sang couler, miam. Mais putain, tu vas la fermer, oui. C'est plutôt moi qui vais voir ton sang couler quand je l'aurai mis le crayon dans le cul. Tu me fais rire, petite peste. On va prendre vous au deuxième. Oh putain. Une gaminerie pour faire la blague du... Pourquoi est-ce que c'est Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Est-ce que ça va en valer la peine? Non. Lol. Oh putain, il mange de la fonte, cet enculé. Jeune demoiselle. Salut, la salope. Oh putain. Mon dieu. La salope. Oula. Bon, clairement, ça va être clair. Non, ça. Hop. Oui. Ça c'est fait. C'est pas moi ça. Ouais, ouais. En tout cas, Ethan a eu beaucoup de soutien de votre part. Je souhaiterais vous remercier. De rien, Lucario. De rien. Oui. Vous allez bien? Oui, pourquoi? Loul, c'est qui tu connais? J'ai un doute. J'ai un doute carrément, mais je suis pas sûr. Je vous ai parlé pendant une seconde. C'était moi, je trollais. Mais non, t'es sérieux, Marjo, t'as l'enfoiré! C'était moi, ah bon? T'es vraiment un enfoiré, putain, Marjo! Oh putain, tu vois, putain, mais c'est pas vrai ça! C'est parti pour une seconde. Vous voulez dire quoi par là? Justine, il entend peut-être pas. Je ne sais pas comment vous décrire ça. C'est comme si vous étiez possédé par quelque chose. Ah bah, je parlais de lui, à lui. Quoi? Vous pouvez l'entendre sérieusement? Oui, cela fait un bon moment. Mais c'est impressionnant. Oui, mais bon, pour moi, ça me casse la croûte. Enfin, façon de parler. Ah bon? Oui, cet enfoiré veut ma mort à tout prix. Sérieux? Oui, c'est pour ça que je veux l'affronter. Par contre, je dois tuer encore deux gardiens. Alors, du coup, je vous laisse. Monsieur le maire, je dois trouver le deuxième. Ok, bon, bah, courage pour trouver le deuxième. Merci. Non mais sérieux, putain, il m'a bien eu. Je m'attendais pas.
Ah putain, sur le coup, j'ai cru que c'était un machin, moi, lol. Ah putain. Ah merde, ça regarde là. Lol. Oh, non, tout à fait. Tu es bientôt deuxième gardien. Bientôt, tu connaîtras la souffrance et tu me rejoindras dans la tombe avec tes chers parents. Bordel, mais t'es vraiment casse-pied. Et ton soi-disant deuxième gardien, j'en ferai qu'un boucher. C'est toi qui vas finir dans la tombe et non moi avec toi, enfoiré. Ah, ne fais pas la maligne, petite peste. Tu verras ce qui t'attendra derrière ce deuxième gardien. Et je ne te dirai qu'une chose. Il est bien plus fort que ce misérable roi scorpion. Je me demande bien à quoi il peut ressembler, ce deuxième gardien. Tu verras bien assez tôt, crois-moi. Ok, si tu le dis, de toute façon, on verra ça. Bref, je vous laisse. Je vais aller faire à manger. Bon, allons-y, Robert, voir ce que nous réserve ce deuxième donjon. Yep. La grosse salope à nouveau. Hey, bon. La grosse salope. Ouais, je suis ta salope, ouais, tant pis, ouais. Je suis ta grosse salope, tu savais? Ah ouais, t'as vu, t'étais un putain, c'est... Ah, ah ouais, carrément, quoi, t'as vu, c'est fou. Wow. Tiens, je sais pas combien j'ai payé de salope. Oh putain! Ah, je me demande combien j'en ai payé! Non, deuxième troll, bah ouais! Non, mais sérieux, vous imaginez le nombre de putes, ça fait au moins 3 là! C'est un des nous qui troll encore de nous. Ah, bah d'accord! Ah, bah ok, lol! Ah putain, bande d'enfoirés, va! Ah putain! Bande d'enfoirés! Oh merde! Ah putain, à chaque fois je me fais avoir, sérieux! Quoi, c'est ça le donjon? Un labyrinthe? Oui, c'est ça, Justine, d'après ce qu'on voit. Ah, ça va être un jeu d'enfant alors! Moi, à ta place, Justine, je préfère me méfier. De plus, c'est un gardien de la faucheuse qu'on va affronter et pas bisounours. LOL! Ah ouais. Ce n'est pas faux, Robert. Bref, allons-y. Ouf! Ouf, quoi? Parfois, regarde, bref, allons-y. Quoi? Mais le labyrinthe a changé ou quoi? Justine, le labyrinthe a bien changé. Ouf! Pourquoi ouf? Justine, le labyrinthe a bien changé. Mais comment c'est possible? Je te rappelle que c'est le donjon du deuxième gardien, alors c'est normal qu'à première vue, tu crois que ça va être ceci, et au final, non. Attends, mais tu veux dire que c'est qu'une illusion? On a vu. Salut Luno, je suis nouveau, tu prends combien pour une gâterie? Bah, je suis Lucario, non? Ah oui? Je suis Père Barjolin de rester, t'es un BG! Super majoristien, je te kiffe gros. Ça fait penser quand même à mes machins. Avec moi c'est gratuit pour toi, Marlo. Ah putain. Les gens, ce qu'on a vu avant de rentrer, Robert. T'es exactement ça, Justine. Ok. Je vois, bon bah allons-y. Hein. Yep. Coucou. Bonsoir Zelda. Comment tu vas, Zelda? T'as fait un bail, Zelda? Merci Barjo, toi aussi, t'es beau Barjo. T'es beau Barjo, les autres, c'est juste des jaloux. Potion trouvée. Là, Z. Comment tu vas? Salut Zelda, ça fait longtemps. C'est vrai, Zelda, ça fait un bail, putain. Vache. Ça va, merci toi de. Ouais, ça va tranquille, là, je suis en train de faire mon jeu que j'ai créé. Ça a duré plusieurs mois. Ça va. Coucou, oui, ça fait quand même longtemps. Oh putain. Illumix, IIIIX, quoi? C'est qui ce mec-là? Là, il y a un nouveau abonné qui s'est abonné, je connais même pas c'est qui. XD. C'est un jeu que tu as créé, ça a l'air grave sympa.
Ouais, c'est moi qui l'ai fait entièrement, ouais. Ça a duré plusieurs mois de création, carrément. Enfin, la moitié de l'année, je dirais même. Et bonsoir, Illumix. Lucia Rose, on peut se retrouver. Voilà. Ah, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà le corps. Lol. Bonjour, merci Zelda. Qu'est-ce qu'il a pas trouvé? Ah bah là j'ai trouvé. Il est pas là, le DR. Non, il est pas. Il dort, c'est moi son mec qui prend la relève. Lol. Bah, va te faire avec ta maladie. Oula! Oula, c'est quoi ce truc là, bref? Mais non. Oh, t'es sérieux là? Mais non, ça va pas ou quoi de parler comme ça? Bon, j'arrête de troll avec du code binaire. What? Lol. Hey, la vie de moi, je vais te def. On se calme les enfants, mais what, c'est qui? Hey, mais lol, hey, ça, hey. C'est quoi ce bordel là? Il, pourquoi tu dis ça? Non, il n'est pas là. Non, tu trouveras aucune clé dans mon ventre. Oula, c'est parce que là, ça insulte. Ça insulte sans aucune raison et sans respecter, c'est ça. Ça m'avait manqué de bonne humeur, mais là, c'est grave quand même. Voilà, c'est n'importe quoi là. C'est des trucs à même pas dire, ça, sérieusement. C'est sérieux, lui. Bah, tu vas mourir de ton problème. Mais lol. Tu vas contre Flory? Ouais, en quelque sorte, ouais. Ouais. Ah, t'as bien fait Zelda, ouais. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est un peu ça. Salut. Bonsoir, Nemo Goku. Comment tu vas? Ah, t'as bien fait, bonjour. Démon Goku s'abonne à votre chaîne, loul. Merci, Démon Goku. Bang, il a le mérite. Ah, mais toi, je vais te défoncer, viens, je t'attends. Oh putain. Un jour, c'était ma job. Je suis vide. Oh putain. Mais il y a combien de soleils là, loul? Bah, en fait, c'est des ennemis aléatoires. Il y a deux ennemis. Il dégage, oui, il n'y a pas seulement la station. Ouais. Bah, en clair, c'est. Bon. Il y a deux ennemis aléatoires. Il y a deux trucs. Sérieux, il y en a qui n'ont pas honte. Ouais, bah,
Quoi? Une clé? Alors toi t'es descendu pour rien, bravo. Mais lol, après avoir fouillé dans tous les coffres, il n'y a rien, c'est quoi ce bordel? C'est bizarre. Je rigole, tiens voilà. Tu as ta putain de clé de merde. J'en ai la clé de la porte. Et ben voilà, c'est bon. Merde, non. Bah allez, je vais le bouffer s'il touche à l'étalon. Et que je passe cette sous-merde d'étalon. Jeanne! Au secours! Oui, j'ai fait quelques références dedans. Ah, il y a ce qui vient de se passer, des personnes comme ça ont besoin d'une attention et ils sont contents qu'on leur en donne. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. C'est bien vrai. Faut pas leur donner d'attention, c'est vrai. Bon, il est où le cariot de l'étal? Bah, s'il se ramène, je lance un live, mais KO de Alter Death Mystique. C'est d'accord. C'est juste un bouffon qui a besoin de cracher sa haine. Ce genre de personnes sont dévorées par la haine, la rage que Dieu pitié dans la. Ah. Ah ouais. Oh non. On aime ça des rageux quand même. Ouais. Bon, je vous laisserai découvrir les autres coffres, trucs, hein, carrément. C'était qui ce rageux? Attends, c'était comment il s'appelait ce coup? Illumi, Minix, IX, je sais pas quoi. Non, je veux les autres coffres. J'ai l'internet. Ah bah trop tard, c'est passé. Ethan, perds pas ton temps à répondre à ce mongol. Non, tu retournes derrière, sinon je te nourris pas. Je peux plus retourner en arrière! Je vais lui remplir le cul avec de la tagine de barjot et merde! Je peux plus! Oh. Cool. Oh merde! Oh bordel. Ouais. Non mais oh, dégage! Bon allez, je vais faire cela pour vous faire plaisir. Allez. Allez. Putain, j'ai crevé. Oh putain. T'es sûr qu'il y a encore de la place dans son cul vu qu'il nous chie à la gueule ce soir? Banjo, il y a Yo, pas légit, c'est la même chose. Et pas Alal. Alel. Bi, bigne, bagne, bougne, ton chance. LOL.
Potion trouvée. Ah bah ça va être intéressant. Oh merde. Quant à la cour. Ethan en enfer. Ethan des mondes pseudo dédiés à toi. Oh là 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 là. Oh putain, ça va être vraiment. Oh non. Mais je vous aide là. Au secours, tu es là. Que tu peux se trouver. Bon. Mais ouf. Ça me saoule, putain. Ah, je comprends. J'avais hâte de bagne. C'est toujours bien presque que je te claque. Pas de 300 pour lui bagne, dev direct Zelda. Ah non, tu t'es trompé de coffre. Son boss, mais merde, fait chier, lol. Ah ouais, permanent par jour. Zelda, t'as le bouton ban à portée de main. J'espère, je pense que ça soit. Que ça soit la dernière fois. Merde. J'arrive pas à ban. T'arrives pas à ban Zelda? C'est bizarre ça. Bah oui, on discute pas avec ces gens. Bah, c'est bizarre que t'arrives pas à ban Zelda. Bizarre. C'est pas normal. Ok, bonjour. Bon, là c'est bon, on y est. Let's go! On y va. Je vais faire une chose avant. Je vais faire une chose avant les gens. Je vais comme ça. Je re deux secondes. Je vais aux toilettes. J'arrive. Si on entend bien, j'arrive. Qu'est-ce que vous racontez de beau?
Qu'est-ce que vous racontez de beau? Attendez, j'ai rempli de mes mains. Bon, c'est bon, je reprends. Ouais, c'est bon. Il y a une chose que je vais vous dire. Hein. Je vais faire une image du jeu. Je vais dire quand le live sera terminé. Je vais juste corriger quelques petits trucs là que j'ai vu qu'il y avait un défaut là. Pour les dialogues avec Eva et tout, là, je vais essayer de corriger ça. Je vais mettre à jour le truc. Parce que là, il y a un petit souci que là j'ai détecté tout à l'heure, au début. Ça me plaisait pas. Voilà. Alors, une mise à jour. Voilà. De toute façon, il vient me voir, il finit dans une chambre de mon hôpital. Bon, allez. Let's go. Alors, c'est toi le célèbre gardien de ce donjon? Oui, petite peste, et je vais t'écraser. Tu me fais rire, allez, en garde, enfoiré. Minotaure apparaît. Alors là, nous avons une musique toute douce, vous allez voir, c'est vraiment agréable. Voilà. Ah, d'accord. Bon, bah là, nous sommes foutus. Non, au contraire, je suis chaude. Et mon cocu, t'as switché à côté. Alors, prouve-le-moi. Let's go! Oh putain. Oh, merde, est-ce que j'ai sauvegardé avant? Merde. Oh, ouais, c'est ça. Oh putain. Est-ce que je prends le chien dans la gueule? Oh! Ton jeu est violent, ceci n'est pas permis en 18 ans! Ah mais c'est le but aussi! Et t'en mets une team. J'aime beaucoup cette musique. Oh putain, je prends sur la gueule. Oh, je sens mal. Je vais la chercher. C'est toi qui m'avais demandé une team sur Discord. Non, j'aurais pas dû. Oh le con! Oh! Oh, j'ai chaud! Oh, j'ai chaud au cul! Oh putain! Il me faisait un petit coup, j'étais dead! Obligé! Putain, j'ai chaud mon cul! Sérieux! Oh! Oh putain, heureusement qu'il y a des vides de trucs! J'ai dodo, demain je travaille dans une bonne soirée, les minous! Bonne nuit Zelda, et dors bien, et bon courage! Le Minotaur il bouge pas, ton jeu il est nul, donc le deck est génial! Personne n'a essayé, y'a rien. Oh 52, putain, je vais crever. Oh, oh putain, oh non, sans tous ces decks, tu vas faire la loi. Ah, c'est Barjou qui va reprendre le relais, je pense. Mais Eva, si elle est là, je te mets un code. D'ailleurs, Eva, elle est toujours là. Barjou va gérer. Allez, hop, dans ta gueule. Va, Barjou va gérer, je lui fais assez confiance. Ah, t'es toujours là, ça va, Eva? Ah, Eva, elle est là, bah elle va gérer. Alors finalement, t'es pas si fort que ça. Tu m'as peut-être vaincu, mais le troisième est bien plus fort que moi. J'écoute, je suis enroulé dans ma couverture, toute seule dans le froid de mon 3A. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, le trad dit que tu étais plus fort que lui. En vérité, non, vu que je t'ai battu à l'aise. C'est génial, ce genre de communauté. Bon, ça se serre les coudes. Ouais, ça, c'est cool, ouais. Grave. C'est moi. Bah il s'est trompé. Et bordel, je sens que le maître est énervé de plus en plus, c'est pas bon signe. Ah ça m'étonne même pas. Si tu réussis à vaincre le dernier, je pense qu'il t'écrasera comme une mouche. On verra. Bon bah voilà Robert. Maintenant direction le troisième donjon et dernier. Y'a pas allons-y. Par contre, on va avoir du chemin jusqu'au dernier donjon, c'est un peu plus loin. Ce n'est pas faux Robert, bref allons-y.
Robert? Oui, Robert. Oui, je l'appelle Robert. Oh, c'est le chien. Bah oui, c'est le chien. Il veut tout écraser ou quoi? Un peu ça. Auberge. À ça par contre. Voilà. Alors je t'amour, mais je suis déjà avec Etan. Bonjour, jeune demoiselle. J'imagine que c'est pour une chambre pour la nuit? Oui, c'est ça. Ok, c'est 50 euros par bonne chambre. Voilà, 50. Merci. Voici vos clés. C'est la chambre de une à l'étage. Merci. Alors là, c'est intéressant. L'olnongé. Ah, c'est la chambre une. Voilà, là. Oui, je sais. Je suis à poil. Et ça fait quoi? Enfin, les souvenirs, lol. Bon, je sais, c'est un peu truc. Hein. Bon, c'était une dure journée aujourd'hui, n'est-ce pas, Robert? Oui, j'avoue. Lol. Autant se reposer, ça va nous faire du bien. Surtout que demain, nous aurons pas mal de route jusqu'à Sainte-Neige. Lol. Pas de soucis, moi, être homo, mais j'aime même pas la race des Lucario. Mais c'est Robert. Allez, bonne nuit, Robert. Merci à toi aussi, Justine. À dodo. Demain, je suis live. Ça, c'est bon, bonjour. Bon allez, direction Sainte-Neige, Robert, mais avant je vais me rhabiller. Ok. Bonne route, mon cher mais fidèle. Yep. Je préfère les humains comme Ethan. El Gurazon del Mando. Lol. Robert le chien, ça va être quoi bientôt? Bernard le lézard. Loul. Ouais, ça peut être saucisse, ouais. Oh, ça peut être pas mal. Oh merde, ce que je fais. Mais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, vous avez passé une bonne nuit? Oui, j'ai bien dormi. Tant mieux. Alors, et bonne journée. Merci. Non. Tu as vu, j'ai bien mis la branlette au deuxième gardien. Oh putain. Non. Oula, il n'a pas l'air content. Ce n'est pas possible. Comment une petite peste peut vaincre un gardien aussi fort? Je n'en sais rien, peut-être grâce à celui derrière l'écran. Non, Justine, il ne fallait pas dire ça. Ah, pourquoi? Il va jouer avec celui qui nous contrôle. Intéressant. Tant bien des motifs de trucs, lol. Imagine, après, tu oublies d'enlever le sprite de la meuf en sous-vêtement. Ah, bah, mais là, ça serait complètement un truc comme MRC. Intéressant, Marjo le boss. Intéressant, alors cette personne derrière l'écran vous permet de gagner. Non, 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 je dis ça pour rire, voyons. Trop tard. Petite peste, maintenant on va rigoler. Oh bordel, je n'aurais pas dû dire ça. Alors, attends, je te passe l'autre. C'est toi qui aides Justine à battre mes gardiens, c'est bien ça? Et réponds-moi. Ça va vous découvrir qu'est-ce qui va se passer quand vous cliquez sur oui. Bien non. Ok. Le pire, c'est que j'ai pas sauvegardé. Mais oui, j'ai pas sauvegardé là. Je crois pas. Je crois. Non, 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 je crois pas. Non. Ça va me faire retourner. Non, lol. Bah alors, tu vois qu'ils m'aident pas. Ok, rendez-vous au troisième gardien. Et ensuite, ça sera le combat ultime entre toi et moi. J'ai hâte, enfoiré. Ensemble, vous avez eu. On a eu chaud un peu plus et il te faisait quitter et retourner. À moins que tu as fait une sauvegarde manuelle. Voilà! Et si tu réponds alors, c'est qu'il y a quelqu'un? Ah oui, automatiquement, oui. Enfin, c'est toi qui réponds. C'est toi qui choisis, voilà. Tu faisais quitter et retourner. Dino, faut que tu changes ton intro. Faut que tu écrives que ce jeu n'est pas accessible aux femmes violées. Ouais, c'est vrai, ouais, je pourrais faire ça, ouais. Ouais. Voilà, après, je vois Justine ne parle pas de lui ou elle derrière l'écran. On aura bien que je reviens derrière. T'inquiète pas, regarde, la prochaine fois, je ferme ma gueule. Et. Ok, et crois-moi, ça sera mieux. Voilà, Robert, continue à la route. Yep. Je sais pas, mais j'adore cette OST. Genre, il y a quelqu'un. Non, ok. Oh.
orné à Paris. J'aurais pu choisir un nom parce que ça va pas. Parce que orné, c'est... Je sais pas. Ça fait trop... Peut-être changer ça, peut-être, je sais pas. Il y aurait bien. Loul, tu aurais dû remplacer Rose par Beurre. Justine Beurre, ça ferait un peu bizarre, je trouve. Justine Beurre, tu fais du beurre. C'est une blague de merde, clairement. Je veux le dire. C'est une grosse blague de merde. Clairement, quand on dit ça, c'est du poulol. Dis-le bien. Bien en anglais. Attends, quoi? Lis-le bien en anglais. Par Bieber. Justin Bieber. Quoi, c'est ça? Justin Bieber? Rose Bieber? Attends. Non, Bieber. Bien, c'est le mélange tout. Mais non, mais lol! Oui. Ah putain, j'ai oublié qu'il fait des dégâts quand même. Par contre, qu'est-ce que je crains, c'est les derniers en fait. Surtout le dernier boss en fait. Là c'est... Oh, là le nombre de fois je suis mort, on dirait Dark Souls. Le truc. Lol. Je vous jure, hein, c'est Dark Souls, hein, c'est le dernier, c'est... T'as intérêt d'être bien accroché parce que c'est Dark Souls, hein. Et là, c'est dadadadad. Ou si t'as peur que les gens comprennent pas Justine... Attends, on peut pas Justine Bieber. Ah ouais. Oh, je demande. Bonne nuit, Goku. Oh, je suis parti péter la gueule à mon hater. LOL. Re-lol, quand même. Oh putain, non. Oh mais LOL! Sérieux? Putain! C'est quoi ce bordel? Le jeu il veut ma mort ou quoi? C'est quoi ça? Mon propre jeu veut ma mort, c'est bien? Loul, il ne mérite même pas. Il n'en vaut même pas la peine de me saouler ce que s'intéresser à lui. Ouais. Putain, mon propre jeu veut ma mort. Ça c'est fait. Voilà. J'avoue, mais qu'il attrape le cancer un jour celui-là. Justine Bridou. Ou une grotte, ça va peut-être nous amener directement près de samedi. J'attends le score, mais... impossible. Bon, bah allons-y. Oh. Oh. Justine Bidouze.
moi, je me. Moi, je me. Ah, tu vas dodo. Ah, je m'écrole. Ah, d'accord, tu t'écroles. Bonne nuit, Barjou, et dors bien. Merci d'être passé, Barjou. Mon petit bandarou, bonne nuit, Barjolus. Mais de nous, je regarderai la rédif demain. Ok, d'accord, Barjo, ça marche. Bah, tu pourras aussi télécharger le jeu, Barjo aussi. Mais je pense qu'il y aura une mise à jour, je vais faire dans la nuit, là, après. Je vais se faire éteindre, t'inquiète pas. Très bien. Le live plutôt, la prochaine fois, attendez. Ouais, faut vraiment, ouais, c'est vrai. Ouais, genre, je fais 23 ou je sais pas où je vais rien. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais être au live comme avant. C'était vers 18h ou 16h. J'attends la match. Ouais, bah, de toute façon, ça sera demain. Attends, tout le monde veille, se lever, tout le monde. Tu enlèves quand de nous. Vu que là, tout est. Ben, vu que là, enfin, je peux en faire retravailler sur les autres projets, les histoires à écrire. Parce que ça, je vous le dis. Je vais pouvoir retravailler sur mes autres histoires. Mes histoires, j'ai envie d'écrire, les trucs, j'ai envie de faire. Les vidéos aussi. Et normalement, les lives, ça va reprendre. Ben, logiquement, peut-être demain, peut-être, ou après-demain, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien quand, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, ça va reprendre. Il y a tout qui va redémarrer. Les histoires, tout ça, tout bordel. Tout le machin qui est avant, voilà. Et là, c'est sûr, je vais reprendre tout, quoi. Carrément. Parce que ça manque, en vrai. Je vous cache pas, ça me faisait du bien de faire ça. Mais bien. Tu devrais écrire des petites histoires et puis tout, là. Ça, c'est. Oh putain, je kiffe, quoi, faire ça. En plus, j'avais une suite pour la série Barjo et toi, Eva. C'était l'histoire, c'était. Je voulais écrire, c'était. C'était quoi l'histoire, merde? C'était l'inspecteur Marmoud, un truc comme ça, je crois. Voilà, l'inspecteur. LOL! Tu veux des histoires, tu peux faire des livres, père castor au pire. Non, mais il y avait une histoire, je voulais faire. Il disait, tiens, ça serait pas mal comme histoire, ça. L'inspecteur. En fait, ça parlerait de Barjo qui sera inspecteur, tout ça. Et ça pourrait être intéressant. J'avais une idée comme ça, mais je sais pas. Je regarde. Oh, il y a tellement plein de trucs que j'ai en tête là en ce moment que j'ai envie de faire. Mais avec le jeu, je pouvais pas en fait. Ça me bloquait. Ça, je pouvais pas travailler sur autre chose. Que là, enfin, il est sorti. Je vais faire juste la match et puis tout. Puis voilà. Lol, ça va être énorme de. Ouais. C'est toutes des histoires comme ça, je voulais écrire, tu vois, il y a plein d'idées, j'ai en tête. Même pendant le disque dur, j'ai eu l'idée de faire la suite de Alice, le secret d'Alice, la suite de c'était d'Alice, avec l'alien, la naissance de l'alien, carrément. Tu veux pire? Ouais, bah, je verrais bien. En vrai, j'essaie de faire ce contenu de cette chaîne YouTube parce que si c'est une chaîne, pourquoi pas moi aussi. Ah. Enfin, je verrais bien. Je verrais bien pour la suite d'Alice, tout ça. Mais sur téléphone, c'était pas évident. C'était galère. J'essayais de la faire, mais. J'y arrivais pas. Surtout pour un clavier téléphonique, pas idéal. Enfin, sorti de cette foutue grotte. Oui, j'avoue. Allez, sortons d'ici. Ah bah non. J'ai l'impression qu'on est encore un peu loin de Sainte-Neige. Mais je crois aussi. J'ai des livres que j'écris, mais pour l'instant, je garde tout pour moi, loul. Bah, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? C'est des histoires, c'est un projet, en fait, que j'ai démarré bah, avant que je commence le jeu, en fait, avant que je commence la création. C'est un projet que j'ai mis en place, je voulais le mettre en place depuis un certain temps. Ça fait un an, je crois, que je voulais le mettre en place, carrément. Oh, bah, on a encore de la route, Robert, non, c'est en plus, il neige, ça c'est cool. Bah, de toute façon, j'ai plein de let's-play à faire. J'ai la suite de Cuphead. Et oui, la suite de Cuphead, je vais encore souffrir pour vous, je vais. Enfin, parce que, non, enfin, moi j'aime bien souffrir, alors Cuphead, ça va être la suite, logiquement. C'est plutôt ancien, quoi. Ouais. Encore là, ouais. Ouais. En tout cas, Cuphead, il va revenir. Là, j'ai envie de j'ai envie de souffrir. J'ai envie de truc. bah oui. Ouais.
En vrai, quand t'as plein de projets comme ça, c'est cool. Parce que du coup, t'es créatif et puis t'as envie de faire plein de choses, c'est un truc de malade. T'as plein d'idées, t'as plein de trucs, c'est ça qui est cool. C'est génial. T'as plein de trucs comme ça en tête et puis voilà quoi. Non, je peux pas garder ça. Ça doit sortir, ça doit être là. Voilà. Ouais, oh, tu prends des bonnes. Là, tac. Taverne de la neige, voilà. Bonjour madame, vous voulez un verre? Bonjour et non merci. Oh dommage, j'ai oublié, vous venez de loin, je me prends. Oui, je viens de Valoria. Ah bah, je ne me suis pas trompé. Et c'est quoi qui vous a mis ici? Bah, je dois aller à Sainte-Neige. Oh, je vois. C'est un indiscret. Vous y allez pour quelle raison? Bah, la véritable raison, c'est pour aller vaincre la grande faucheuse. Quoi? Vous allez l'affronter vraiment? Ah oui, pourquoi? Bah, cette faucheuse est venue directement dans ma taverne pour tuer ma femme. Je lui ai demandé pourquoi elle a fait cet acte. Et elle m'a dit que c'était sur sa liste noire. Allons, toutes mes condoléances pour votre femme. Merci, madame. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu des êtres chers, moi aussi. Mes parents ont été tués par cette chose. Donc, il aurait compatit. Merci, mais ce n'est pas tout. Maintenant, je suis sur la liste noire et elle veut me tuer. Dans ce moment, je suis en train de créer un nouveau jeu, continuer mes livres, continuer à composer des morceaux plus fines de films au piano où j'atterrai avec des potes boules. Quoi? Elle vous a toujours pas tué? Non, toujours pas. Parce qu'elle veut me voir souffrir avant. Oh, je vois. Moi, je dois y aller, 27 enfoirés. Ok, bon courage. Merci. Bon, par contre, là, ça va être vraiment triste. C'était rien. Mais là, juste après, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Voilà. C'est de Fane. Bonsoir, les jeux héros. Comment tu vas, jeux héros? Pouce bleu ami. Merci, jeux héros. Comment tu vas? Oh putain, je vais crever, lol. J'ai bientôt. Ouais, ça va tranquille. Là, je suis en train de faire mon jeu en live et tout, là. Comme tu peux voir. Enfin, sortir mon jeu, parce qu'il y a un téléchargement plutôt, si tu veux. Il est complètement gratuit, hein, si tu veux. Enfin, si tu veux jouer, ça dépend. Merde, je vais crever. Loul. Je suis tranquille. Ah ok. Et je ne te connais pas, mais je dis bonjour quand même parce que c'est une communauté sympa ici. Oh mais de toute façon, je bois mon vin. Ah tu bois ton vin? Un bon vin, lol. Ah oui, si c'est tranquille. C'est tranquille ici. Pas de problème. Même si en vrai je dis bonjour à tout le monde. Lol. Jordan. Bon vin à toi, ami. Oh putain, c'est pas vrai. Merde. Non.
Après, je vais vous dire une chose, c'est que là, quand j'aurai fini le live, je vais faire une grosse pause sur RPG Maker pendant l'année prochaine carrément. Parce que moi, ça m'a complètement truc. Bon, c'est bien comme ça. Je crois que j'ai au moins bossé pendant des mois juste pour finir ça. Je crois que je vais faire une pause dessus. C'est bien. Nono, tu te souviens de ton pseudo Donovan Friskel ou un truc du genre? Il y a eu du chemin entre temps. Ouais, il y a eu Donovan Friskel et puis Fissure Anal Officiel, ouais. Oh putain, ce nom, quoi. Mon Dieu. Fissure Anal Officiel. Officiel. Non, mais sérieux. C'est vrai, ça me tue quand même. Je disais toujours bonjour, bonsoir à tous et à toutes, c'est Fissure Anal. Lol. Ah, bah c'était un nom comme ça, c'était marrant. C'est vrai, c'était marrant, moi j'aimais bien. Mais après, Benjo, quand il m'a dit il faut mieux le changer parce qu'on sait jamais avec YouTube, c'est très strict, lol. Parce que c'est strict avec YouTube. Tu peux plus dire qu'est-ce que tu veux. Ah, tu peux même plus dire des mots comme tut. Bah, tu vas être strike, tu vas être bloqué, voilà, tu vas être truc, voilà. C'est vraiment de la merde en vrai système, putain. Tu peux plus rien dire, c'est genre, t'es obligé de parler comme abricot, légumes, ou encore mettre des petits points de 1, 2, 3 pour permettre de marquer le truc. C'est n'importe quoi ça, c'est débile. What? Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Quoi? Mais c'est la même route, non? Oui, YouTube c'est de la merde, ouais, bah ouais. Si, c'est quoi ce bordel? Bah alors, comme ça vous refaites la même route? Alors toi tu vas voir ton cul quand j'arriverai à toi. Il faut déjà que tu affrontes mon dernier gardien pour ça, voyons. D'ailleurs, je vois que tu es proche du troisième donjon. C'est juste après le village. C'est dommage que je sois obligé de me taper tes gardiens, au lieu de toi directement face à face. D'ailleurs, celui qui t'a renseigné à propos des gardiens, Barjo, il est mort. Et pas que lui. Puis c'est un officiel, on connaît ton quotidien maintenant. Il est mort, et pas que lui-même. Sa femme Eva est morte. Désolé Eva, désolé Barjo. Quoi? Lol, t'es pas sérieux là? Oui, petite peste. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'ils sont sur ma liste noire. Et logiquement, j'avais prévu de les tuer juste après toi. Mais vu qu'ils t'ont dit sur les gardiens de moi, j'étais obligé de le faire. J'aurais pu le faire plus tôt. Mais je l'ai pas fait. Alors tu vas sans doute me dire pourquoi? Bah, je croyais qu'ils ne savaient rien. Ça vient de la communauté, nous, de la plateforme, les choses évoluent. Parfaitement bien, parfois bien, parfois mal. Ouais. Ils ne savaient rien et que c'était des gens ordinaires. Mais je me suis trompé. Et comme tu dis si bien, il faut bien mourir un jour, n'est-ce pas, Justine? Mais là, tu les as tués, alors qu'ils ne méritaient pas ce châtiment. Le pire, c'est que ce n'était même pas leur jour de mourir. Ouais, je m'en fous complètement que ça soit leur jour. Par contre, toi, crois-moi que tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Bref, rendez-vous au troisième gardien, et après le combat ultime entre toi et moi. Là, il y aura un choix crucial. C'est vraiment un enculé, putain. Là, on appelle ça, enfin. Je pense que vous connaissez la période dépression, c'est la période, le moment que la personne va, voilà. Et là, vous avez deux choix. Alors ça, je te fais pas dire. Maintenant, je me demande si je dois continuer ou je dois abandonner. Justine ne va pas abandonner comme ça, voyons. Tout dépendra de celui derrière l'écran. Tout dépendra de votre état. Ça a l'air de vous. Si vous voulez continuer, si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, clairement, vous dites, ouais, j'ai pas le cran. Voilà. Justine, t'es pas sérieuse, là, quand même. Choisir à l'écran. Ou que tu veux, on abandonne. Tout dépend. Tout dépend de vous. Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez prêt? Ou non, vous êtes complètement. Voilà. Alors, moi je ne veux pas marquer j'abandonne parce que sinon ça va faire quitter le machin. Non, je dis, je continue. Voilà. Car c'est parti, on va leur botter le train. Je préfère ça.
Avant d'aller retourner dormir, putain, j'ai sommeil. Bah, si t'as envie de dormir, tu peux y aller maintenant, c'est pas de souci. Sans vide de dos, pas de problème. J'oblige personne à rester de toute façon. Génie. Référence à mon jeu, à le jeu Super NES, ou NES, non, c'est Super NES, ouais. Génie pouf pouf, non t'inquiète pas pour de vrai. Ah ok, Nat. Bonjour madame. Oh bonjour, je m'appelle Génie. Vous. Ah bah enchanté Génie, moi c'est Justine. Mais on dirait que vous venez de loin, Justine, non? Oui, je viens de Valoria. Ah quand même, c'est super loin, Valoria. Yep. En parlant de Valoria, j'ai cru qu'il y a eu deux morts là-bas, c'est ça? Oui, c'est mes parents. Oh, je suis désolé de l'apprendre. C'est pas grave, Génie. Et sans vouloir être indiscrète, comment ils sont morts? Manquerait plus que tu me retiennes en otage. Lol. La grande faucheuse qui les a tués. Oh, je vois quelle horreur. Et tu sais pourquoi elle a fait ça? Non, mais je sais qu'elle possède une liste noire. Une liste noire? Ça me dit quelque chose. Ah bon? Oui, selon des gens, les listes noires seraient la liste du diable, en quelque sorte. Et sur cette liste, chaque humain est marqué. Et à côté du nom, la date de leur mort prévue, où la faucheuse doit aller la chercher. En gros, la fin de vie de chaque personne. Ok, je vois, mais il y a un souci, Génie. C'est que la faucheuse possède cette liste noire et assassine des gens avant la date de mort prévue. Il reste qui sur le live? En fait, il y a deux personnes loules. Je sais pas. Oh, il y a tout le monde qui est parti, peut-être. À part toi, Nat, et tel joueur, peut-être. En même temps, il est tard, hein, je comprends. Je comprends très bien. C'est drôle, la catastrophe, c'est la grande faucheuse fait ça. Lucifer va gagner contre Dieu et l'enfer prendra possession de la terre. Oh non, mais c'est ouf. Moi. Ah, il y a joueur, ouais. Puis toi, Nat, mais c'est doux, je crois. Bah, mes parents m'ont demandé de vaincre cette faucheuse. Sérieux, mais comment tu vas faire? Bah, j'ai déjà vaincu ces deux gardiens, il ne reste plus qu'un désormais. On se serra contre elle que je vais me battre. Loul. Oh, je vois. J'imagine que là, après notre village, tu vas à direction de dernier gardien, c'est ça? Oui, c'est exact, Génie. Ok, alors, bon courage, Justine. Il est encore tôt ici. Ah oui, c'est vrai, chez vous, il est tôt, ouais. C'est vrai, ça. Pourquoi, Justine, si tu as réussi à aller jusqu'ici, c'est que t'es plus forte. Il est 10h10 du soir. Ah, bah, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'on a un gros décalage. C'est vrai que là-bas, c'est vrai. C'est vrai. Justine, si tu as réussi à aller jusqu'ici. C'est que t'es plus fort que lui, c'est gardien. Oui. Et merci pour JV, je l'ai fini. Ok, au revoir, Justine. Du coup, on va direction acheter les armes qui vont permettre de combattre. Alors, les potions, ça va servir, lol. Mais putain, je comprends jusqu'à combien, sérieux? Ah, on dit encore, ça va. Lol. Les potions, ça va servir, moi je vous le dis. Sur 2000, oh là là, faudra-t-il configurer ensemble? Lol. Oh putain, 54, sérieux, lol. Bon, tant pis. Quoique, non. Je vais peut-être pas changer ça en raison du. Entre héros qui boit son vin galène, de nous qui joue à son propre jeu, et moi qui regarde tout ça, tout. Tour car ça en mode ok, il reste qu'il est mentalement à peu près correct ici, lol. Lol. Bonjour mon père. Oh bonjour mon enfant. Vous allez bien mon père? Oui, et vous mon enfant? Oui, je vais bien. Tant mieux. Tant mieux si vous allez bien. Je vous laisse mon père, je dois partir. Ok mon enfant. Et faites attention à vous. Merci mon père. Il est vraiment bizarre ce prêtre. Ah par contre ça me truc. Ah bon? Oui, avec mon enfant, je foutrais moi des mon enfant. Robert, arrête. Bah quoi, c'est vrai.
Je l'imagine devant son miroir en train de se changer et dire « Je suis beau, mon enfant !» Albert, t'es vraiment con. Bah quoi? Je te rappelle que je suis un chien, mon enfant. Enfin, le champignon de Mario. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Mais lol, bref, allons-y, Robert. Ah putain. Ah oui, c'est vrai, je crois que c'est. Merde. Ouais. Bonjour, appelez-moi Christophe. Enchanté Christophe, et moi c'est Justine. Enchanté également Justine, comment vous allez? Bah, je vais bien et toi Christophe? Je vais bien, alors vous visitez Saint-Neige? Oui, on peut dire ça comme ça. Ah bah c'est quoi alors? En tout cas, bienvenue dans le petit village, merci, mais je dois vous laisser. En vrai, j'ai fait une phrase qui dit clairement ferme ta gueule. C'est. Bah oui, parce que. Non mais les phrases enfin, au personnage PNJ, c'est comme si clairement ça disait merci, mais je t'emmerde. C'est un peu ça finalement que dans la traduction. Voilà. Ok, bah au revoir Justine. Voilà. Putain. Bon allez, c'est parti à la fin. Let's go. Enfin, je regarde LOL. Prête pour le dernier donjon, Justine? Oui, je suis chaude. Quoi, tu mouilles? T'es pas sérieuse là? Non, je voulais dire que je suis prête, lol. Ah, je préfère. Et toi, derrière l'écran, tu es prêt ou prête? Ah, ça dépend de votre choix. Non, je suis pas chouchoude, mais je suis prête. Ah oui, je suis prête. Oui. Même si je suis un mec, mais bon. Voilà. Oui. Ok, alors allons-y. Parce que sinon, dans l'autre sens, c'était pas ça. Hein. C'était. Voilà. C'est-à-dire que en clair, ça voudrait dire que si tu choisis non, c'est un peu comme si tu te foutais de la gueule, clairement. Voilà, quoi. Alors, c'est ça le donjon? Yep. Ok, allons-y alors. On va prendre ça là. Programmation. Non. Oh. Oui, les ennemis que vous voyez s'appellent bien pichons. C'est des pichons de jeu de glace, celui que tout le monde déteste dans les jeux. Ah ben là, j'ai fait une version différente, t'inquiète. Pichoir. Ah putain, j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça de mettre, mais non, ça aurait tellement bien. Et là, il ressort rien, Loul. Qu'ose dire? T'as lu le message entre les deux autres messages? Lequel? Je vous laisse, bye, bon règle de fête. Merci, jeu héros. Bonne nuit, jeu héros, dors bien. Merci d'être passé, jeu héros. Attends. Tu parles donjon de glace, celui que tout le monde déteste dans les jeux. L'église est un peu. Ah ouais, c'est bon, j'ai vu, t'inquiète. Bye, Robin, heureux de t'avoir trouvé. Bah, il a été supprimé. Ah, il a été sup! Oh merde! Oh putain, ça craint ça. Oh, c'est chiant. Oh. Oh, j'ai l'impression que là, il n'y a plus de toi. Hein. J'ai l'impression qu'Eva, elle est partie. Bah, tout le monde en fait. Tout le monde est parti. Voilà. En même temps, vu l'heure, un peu normal. C'était une blague nulle. Bah c'est quand même bizarre qu'il t'a censuré. Donc. En même temps, YouTube, ça censure tout. Alors. En même temps, c'est la merde.
Mais lol! OBS à la con! Eh mais OBS à la con, sérieux, loul! N'importe quoi! Mais lol! OBS, il a crash au KLM, lol! Ces deux précautions, je crois que j'ai grossi de la bite. Pourquoi tu dis ça? Je rentre plus dans du 7 ans. Lol. Par contre, OBS, il recommence encore ses coups de machin. Le nénoï, ouais. Il faut tuer le nénoï. Ah, c'est ça, lol. Oh putain. J'aurais pu l'écrire comme ça, tiens, ça c'était pas assez pareil. Espèce d'assassin. Lol. Ah, c'était un œil à la con, voilà. Voilà. Oh putain. Dans ses gueules. Oh. Tac, tac, on va s'en garder là. Halt! Mais laisse-moi passer, enfoiré! En rêve, petite peste, à moins que tu m'affrontes. Ok, pas de soucis. De toute façon, si tu veux passer, tu seras obligé de me vaincre, vu que je possède la clé de la porte. Ok, j'ai compris, débile de fer. Non, mais personne me traite de... Stop! Réplique déjà faite, lol. C'était de l'autre jeu, il y avait une réplique comme ça aussi. C'était avec, je sais plus quel ennemi, je sais plus. Je suis toujours en live, là. Ah ouais, c'est bon. Fais chier, on garde petite garce. Ok. Je suis prêt à... Et toi, prépare-toi à recevoir un coup de pied dans ton cul de fer. La ferme en garde. C'est une guerre, c'est pas ma guerre. Lol.
bien. Toujours la NBA. Ah, ok. Non, c'est surtout, j'ai cru que ça avait coupé ou quoi que ce soit. Et voilà dans sa gueule. Non, comment c'est possible? Ah, je t'ai bien vu, petit pédé de fer. Espèce de petite fleur à la con. De toute façon, ma patronne va te réduire ensemble, saloperie. À la fois, je suis fatigué, mais à la fois, j'ai pas envie de te laisser tout seul sur le lac, j'ai envie. Voir la fin aussi de Loul. Non, mais après tu peux dormir, c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, hein. C'est pas grave. Ah tiens, j'ai hâte de voir ça. Bref, continuons. Oh. Le boss trouvé, c'est parti. Mais enfin, oh le con, j'ai pas sauvegardé. Oh putain, si je crève, je suis dans la merde. Oh le con. Oh mon dieu. Oui, Justine, je viens d'apprendre que tu as tué mes amis. Tu vas regretter, saloperie. Ok, alors viens, t'attends quoi? Reine des glaces. Ok, prépare-toi à mourir. Oh, musique épique. Mais après, tu vas te retrouver tout seul. Je sais à quel point c'est chiant d'être sur l'échec. Je vais l'aider seul. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est sûr que c'est. Ouais. Bon, après. Voilà. Ferme-la et bat-toi si tu as une moule bien fraîche comme la mienne. J'hallucine que c'est un combat de minou et minou, lol. Bon, je suis terminé, je crois que je vais te laisser. Ok, Nat, y a pas de soucis. Bah, bonne nuit, Nat, et dors bien, et merci d'être passé, Nat. Non, mais c'est pas grave, Nat, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est pas grave, Nat, je comprends, t'inquiète. A plus, ouais. Bonne nuit, Nat, et dors bien. Oh.
Oh putain! La vache! Et voilà dans ta gueule! Comment cela est possible? Alors tu vois que j'ai une moule bien fraîche. Je vois ça, mais ne sois pas victorieuse, parce que tu es encore mon grand maître à battre, la grande faucheuse elle-même. Je sens que sa colère a monté, c'est de pire en pire. Le fait que tu m'as vaincu l'a rendu plus fort qu'auparavant. Quoi? Mais je pensais que j'allais l'affaiblir, en vous affrontant. Chacun, je ne comprends plus rien. Bon, je reviens, je reviens à tout. Je dois être vite fait. Je reviens. Bah, on continue. J'aurais dû cesser ces trucs encore. Ouais. Je suis bien toujours en stream. Yep, c'est bon. Ok, c'est bon. Bah, on continue. Let's go. Ah, ok. Malheureusement, il s'est passé le contraire. En tout cas, même si tu m'as tué, je te souhaite quand même bon courage. Maintenant, il est bien plus puissant qu'auparavant. Il sera difficile à vaincre, crois-moi. Bref, va Justine. Mais... Alors là, je ne m'attendais pas à ça du tout. Tu as entendu comment, Robert? Finalement, ça l'a rendu plus fort. Oui, mais Justine, nous allons la voir. Ne t'inquiète pas. Rappelle-toi que je suis derrière l'écran là pour nous aider. Vous savez, Robert, bref, allons-y. Ton heure est enfin arrivée. Viens à moi. J'arrive en forêt. Alors c'est ça le portail jusqu'à lui? Oui, ça a l'air d'être ça, Justine. Ok, bah alors allons-y. Bon, nous y voilà enfin. Allons lui botter le cul à cet enculé. Avec plaisir, Justine. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pantouflard. Oh, stop! Tu veux quoi, toi? Dégage! Pantouflard, non, hors de question, petite peste. Avant d'affronter mon maître, tu devras me passer sur le corps. Hein, quoi? Il faut que Justine couche avec toi pour passer? Mais non, je n'ai pas dit ça, espèce de kawik! Hein? Non, mais où? Ça va pas? Oui, ça ne va pas, oui. C'est pas un film, voyons. Mais j'ai pas dit ça, putain! Bah, je sais pas, mais dans le sens de ta phrase, passer sous le corps, ça veut tout dire. Pas forcément une espèce de kawik de chien. D'où tu traites Robert de kawik, enculé. Et ainsi que je te vois ton petit cul, ton cul. Avec plaisir, petite peste. Musique épique. On devait faire ça, magnifique dans le chat là. La fée en petite peste.
Oh. Et ben voilà. Boisson trouvée. Mais non, j'y crois pas, j'espère que mon maître va te détruire. C'est moi qui vais le détruire et non l'inverse. Bon, ça c'est fait. Et par contre, la reine des glaces nous a pas prévenu qu'il y avait un chien de l'enfer qui nous attendait. Et même cette salope de faucheuse non plus. Ce n'est pas fou, Robert. Bref, continuons, Justine. Justine? Oui, c'est qui? C'est maman. Maman, mais t'es où? Je suis avec ton père, ma chérie. Mais je vous vois pas. Nous sommes avec Dieu, ma chérie, ne t'inquiète pas. Si je te parle, c'est que tu es en face de celui qui nous a tués. Et maintenant, c'est l'heure de le combattre. Tu es prête? Es-tu prête pour ça? Oui, je suis prête à le combattre. Ou qu'est-ce que tu as, ma chérie? Juste une chose à te dire. C'est qu'on t'aime de tout notre cœur. On est là avec toi, alors va, chérie. Ok, moi aussi, je vous aime. Ça va, Justine? Oui, ne t'inquiète pas, Robert. C'est juste que ça fait bizarre de m'entendre dans mon... Moi, je comprends, Justine. On y va. Yep. Voilà, le combat ultime entre la fin, carrément. Alors, toi, t'es mort, sache-le. Pas trop vite, ma Justine. Tu veux peut-être savoir pourquoi j'ai tué tes parents, non? Ouais, dis-le-moi pourquoi. Parce que tes parents étaient sur la liste noire, mais il n'y avait pas que ça, bien évidemment. Le feu aussi qui t'ont fait toi, tel que tu es, Justine. Un être élu de Dieu lui-même. Quand j'ai commencé à tuer des êtres humains, bien avant que tu sois né, Dieu a dit qu'une enfant viendrait me détruire, au monde me détruire. Et donc des années plus tard, il y a toi qui est né. Et quand je vous ai regardé, j'ai compris que c'était toi, qui était censé me détruire. Mais bon. Je suis malheureusement arrivé trop tard. Tu étais déjà grande comme là maintenant. Du coup, tu connais la suite. J'ai tué tes parents et c'est là que je suis rentré en contact avec toi. En te disant que tu es la prochaine à les rejoindre. Mais à ce que je vois, la parole de Dieu disait vrai. Au moins sur une phrase qui disait que tes gardiens ne feraient pas le poids face à elle. Mais aujourd'hui, le moment est venu du combat ultime entre l'élu de Dieu et moi, la faucheuse de la mort. Mes parents ne m'ont jamais parlé de ça. C'est normal, tes parents ne savaient pas que tu étais en vérité comme une enfant de Dieu. Tu ne t'es jamais reposé en question sur le fait que le chien te parle, non? Il a raison, Justine. Tu es une enfant à part des autres. Sans toi, tu peux me comprendre. Mais je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, par contre, je me suis fait un plaisir de tuer tes parents et tes deux amis. Ok, alors prépare-toi à combattre, culé. Je n'attends que ça depuis le début, ma chère Justine. Voilà. Regarde ma grandeur, Justine, et prépare-toi que le combat de la lumière et des ténèbres commence. Et tu as peut-être vaincu mon pantouf fermé, moi. Tu ne mourras pas si facilement. Ok, alors c'est parti, enfoiré. Merde, je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Mais non! Oh putain, je fais une connerie, lol. Oh, mais non! Oh putain, c'est pas vrai! Voilà, ça y est, c'est reparti pour me faire violer!
Ah, mais non. Ah, bah du coup, on a une première fin. Ah, bah ça, c'est vrai, c'est bien. T'es nul. Ah, putain. Oh, comment je me suis fait défoncer. On passe, on passe, on passe, on passe. Voilà, place. Oh putain, c'est pas vrai! Mais non! Oh putain, je me suis violé par ma propre création! Fallait bien que je morfle un moment! Ou un autre! Lol! Oh putain! Si tu regardes la rediff, c'est ça que tu vas galérer. Tu vas en chier. Oh putain! Je m'attendais pas à ça, lol. Faucheuse à la con. Oh, mais non, putain. Oh la vache! Oh putain, là c'est vraiment le dernier qui est. Ouais, je fais super truc quoi, lol. Ah, c'est pas vrai. J'aurais dû faire truc. Ah, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Oh mais non, c'est pas vrai, putain. Mais non, c'est pas possible. Oh mais non. Quatre fois d'affilée bordée de fion. Oh, c'est trop chaud. Ouais, ça sent toujours là. Ouais, c'est bon, ça fait.
Ça fait déjà 3 heures, putain. Le stream. Heureusement, j'ai pris beaucoup de PV. Vraiment. Mais non! Oh, mais non! Mais non, mais non, mais non, mais non! Potion KO. Mais non, oh mais non. Putain la vache! Oh! Enculé de faucheuse avec con! Oh! Putain! Oh, c'est pas vrai! Oh, je me fais enculer de ouf là! Voilà, qu'est-ce qui se passe qu'on fait mal là? Putain, la vache.
Oh, mais what? Mais lol! Putain! Mais sérieux? Mais là, quand je me fais défoncer! Putain, les dégâts. Mais non, putain. C'est trop chaud. Putain. Oh putain, 24. Sérieux? Faut que je fasse un con. Je sais pas, je suis en train de me faire dominer par mon propre jeu. Oh oui! Oh putain, dans tes gueules! Wouh! C'était chaud. Non! Tu vois, c'est moi qui ai gagné. Tu avais raison, comme il a dit, une enfant va me détruire. C'était vrai, bordel. Assume ta défaite faucheuse. Attends, tu feras de ma personne, c'était. Crois pas si bien dire, je reviendrai un jour, je reviendrai. Un peu comme la maf. Et ben voilà, Robert, tout est fini. Yep, bon, on rentre chez nous, non? Oui, Robert, mais avant, il y a une personne que je voudrais remercier, c'est celui derrière l'écran. Ah oui, lui et elle. Merci à toi, en tout cas, maintenant. Au revoir, mon ami. Voilà, c'était The Grim Reaper. Créateur du jeu Dawn of Fae, scénario du jeu Histoire et Histoire Dawn of Fae. Personnage principal de Dawn of Fae, musique du jeu Dawn of Fae. Merci d'avoir joué au jeu qui m'a pris beaucoup de temps à réaliser et fait avec le cœur et la passion du jeu vidéo. Enfin bref, merci encore de l'avoir téléchargé et en espérant que vous avez aimé. Voilà, c'était The Grim Reaper. Voilà. J'espère que le jeu, enfin, pour ceux qui auraient la rediffusion, j'espère qu'il vous a plu tout. En tout cas, dites-moi dans les coms et tout. Et
En tout cas, il est dans la description, vous pouvez télécharger, c'est complètement gratuit, il n'y a rien de payant, vous avez juste qu'à télécharger pour vous laver, voilà, c'est tout. C'est rien de compliqué. Avant ça, je vais faire une date, je vais faire une mise à jour là ce soir, là, vite fait après le live, sur le truc pour Eva, que bizarrement le dialogue passe pas, c'est bizarre, lol. Enfin bref, je dis tous, bah merci à tous d'avoir été là, merci à toi Nat, merci à toi Barjo, Eva et tous les autres qui sont passés, Zelda. Ethan, d'ailleurs Ethan, courage à toi, courage et puis bon rétablissement, surtout. Parce que là, franchement, ça craint quand même ce que t'as, c'est grave quand même. Enfin voilà. Bah, à la prochaine hein, pour un nouveau live sur un jeu, bah, sur celui DSP, etc. Voilà. En tout cas, à partir de là, tout va reprendre normalement. Vidéo, histoire, etc. Et voilà. Sois fier de ta victoire, mais sache que je reviendrai pour toi un jour. Voilà, ça c'est une anecdote de la fin. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura une suite, peut-être. Voilà. Enfin voilà. Bah, merci à tous et à toutes d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à tous et à toutes pour ceux qui ont regardé la rediffusion jusqu'au bout. Et bon, je sais qu'elle est très longue. Voilà. Et à la prochaine. Voilà. Bye tout le monde et merci à tous d'avoir regardé cette rediffusion. Et merci à tous ceux qui ont participé au live. Voilà. Allez, bye. En tout cas, comme je vous répète à nouveau, vous avez le lien du jeu de téléchargement dans la description, vous pouvez télécharger. Et puis, bah, jouer sur vos chaînes, etc. Le faire en stream sur vos chaînes et tout. Voilà. Libre à tous ceux, c'est libre de droit, je vous laisse. Voilà. Bref, bye tout le monde. Et bah, à la prochaine. Voilà. Peut-être à demain pour un nouveau live, on verra bien. Bref, bye.